Bonjour. Bonjour. Oh là là. Qu'est-ce que vous êtes beaux, les enfants. Oh là 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 là. Bonjour. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Hey, bonjour les enfants. Ah, vous allez bien? Ça c'est mon ami Cricri. Ouh, ça c'est Cricri. Bonjour Cricri, ça va? Oh, t'as eu une indigestion toi aussi? Alors, tu vas danser un petit peu, non? Non, tu veux retourner dans ta boîte. Alors on va te remettre dans ta boîte. Voilà, on applaudit Cricri. Voilà. Oh là 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 là. Oh. Allez, hop. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous avez bien mangé? Oui. J'espère que vous n'avez pas fait comme le garçon tout à l'heure, hein. Oh. Ok. Ça vous gêne si je retire mon beau chapeau? Comme ça, vous allez pouvoir voir mes longs cheveux soyeux. Oh là là, ils sont beaux mes cheveux. Alors, je vous ai apporté ma valise magique. Vous avez déjà vu une valise magique? Non. Est-ce que vous voulez voir une valise magique? Oui. Ah, d'accord. Bon, d'abord, il faut savoir comment je m'appelle. Parce que des fois, j'ai des trous de mémoire. Comment je m'appelle? Auguste. Qui c'est qui vous a dit? Auguste. Qui vous a dit? Qui c'est quoi? C'est ça ou c'est ça mon nom? Ah non, Cricri, c'était le petit animal de tout à l'heure. Moi, c'est Auguste. Est-ce que vous savez dire Auguste? Auguste. Attendez, on fait une répétition. 1, 2, 3. Auguste. C'est pas mal, un peu plus fort. 1, 2, 3. Auguste. Alors maintenant, pour de vrai. 1, 2, 3. Auguste. Oh là là, ça fait du bien. Alors, je vous ai apporté ma valise magique. Magique, pardon. Vous voulez voir ce qu'il y a dedans? Oui! Vous êtes sûr? Oui! Alors, vous comptez à 3. 1, 2, 3. Et 1. Oh. Qu'est-ce que ça? Oui, mais regarde. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. C'est ma valise à problème. Vous savez, quand j'ai des soucis, quand ça va pas dans mon cœur ou dans mon ventre, parce que j'ai des problèmes avec les voisins, avec les copains d'à côté qui sont pas gentils avec moi. Et puis des fois, quand j'entends que ça se bagarre à la maison ou au-dessus, alors des fois j'ai peur. Et tout ce qui me fait peur, je le mets dans la valise. Il y a des choses qui vous font peur, vous? Je vais vous dire mon secret, j'ai peur du noir. Et puis des araignées aussi. Vous savez, les araignées avec des... Alors je mets tout ça dans la valise. Vous pouvez tout mettre, jeter tout ce que vous voulez dans la valise. Les grands supes, je crois que vous avez des feuilles d'impôt, des trucs comme ça. Jetez. Voilà. Hop. Oh là, oh, oh. Hey, doucement, hein. Je suis pas le bon Dieu, moi. Ça, c'est trop lourd pour moi. Alors, je vais vous donner mon secret. C'est pour ça que j'ai toujours le sourire. Alors, moi, quand j'ai mis mes problèmes dans la valise, je prends la valise, je l'ouvre et je fais « Hop là! C'est pour toi, mon Dieu !» Et vous savez, lui prend soin de tout ce qu'on lui envoie. Et c'est pour ça que j'ai toujours le sourire. Mais je vous donne mon secret. Quand je lui donne tous mes problèmes, moi, je ne vais pas les rechercher. Si vous voulez aller les rechercher, vous allez après le spectacle, le steak frites, je sais plus quoi. Spectacle, c'est ça. Oh là, c'est difficile à dire. Tout ce que vous avez mis là-dedans, c'est en haut, on oublie. Et maintenant, on rigole et on applaudit l'artiste. Merci beaucoup. Oui. Alors, il faut que je vous redonne les règles toutes simples. Allez, d'abord, quand je fais comme ça, on applaudit. Et quand je me relève, on arrête. Voilà. Merci beaucoup. Alors, d'abord, il faut que je vous rassure. Parce que, vous savez, avec mes copains, les prestidigitateurs qui font de la magie, vous savez, les gens, ils pensent qu'on a des
pouvoirs. Oh, pardon, j'en ai mis partout. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. C'est quoi ça? C'est une étoile. C'est une étoile? Une? Ok. Vous avez bien compté? On tourne la page. Et là, il y en a combien? Ah, mais ils sont forts. Et là, il y a combien? Mais il n'y avait pas un tout à l'heure? Attendez, là, il y a combien alors? Mais attendez, on efface tout, on recommence alors, hein? Alors, un? Et là? Et là? Et là, qui c'est qui a compris? Oui, qu'est-ce qu'elle a compris, la demoiselle, là? Je cache l'étoile! T'as vu ça? Le fort, on l'applaudit, hein? Ouais! Oui, alors, c'est vrai, vous voyez, je fais comme ça. Comme ça, et puis comme ça, et comme ça, vous voyez? Donc c'est simplement pour vous rassurer, ce sont des trucs. Il y a des trucs bizarres qu'on va faire cet après-midi, mais on va bien s'amuser. Alors on applaudit l'artiste, merci beaucoup! Ouais. Alors, je vous ai apporté quelque chose de très spécial. Aïe, 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 aïe. C'est caché ici, là, comme ça, ouais, ouais, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah! C'est que ça, que ça, que c'est? C'est pour attraper quoi? Les fourmis! Les fourmis! Les fourmis! Oh non, pas les éléphants! Les d'abord, on ne dit pas les éléphants, on dit les éléphants! Les fourmis! Mais vous insistez, c'est pas les fourmis! Les fourmis! Les souris! Les souris pour ça? Mais si vous utilisez ça pour les souris, vous allez faire de la compote de souris. Non, c'est pour plus gros. Je vais aller chercher celui qui aime bien ça. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Comment il s'appelle, lui? Ouais, c'est Ratatouille, c'est vrai. Alors, attendez, on va le mettre comme ça. Je tends l'affaire ici. C'est Ratatouille, oui, je sais. Voilà. Alors, il y a Ratatouille. Oui, je sais, il est au régime, mais seulement comme demain. Hein. C'est comme moi. Alors, Ratatouille, il arrive et... Ratatouille, d'accord. Ratatouille, il arrive et... Oh, il y a du morphage, du... Du fromage. Du fromage. Enfin, du... Oh, du fromage. Oh là là, vous inquiétez pas pour lui. Il en a vu d'autres, il est costaud. Mais vous savez, c'est très, très dangereux, ça. Oh là 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 là, qui c'est qui s'est déjà amusé avec ça? Oh. Alors dites-moi, est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui voudrait jouer au petit rat? Tu veux venir jouer au rat? Mais pourquoi tu lèves la main alors? Toi, tu veux venir jouer au rat? Tu es sûr? Allez, tu viens, tu passes par ici, on va t'aider à traverser. Aïe, 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 on l'applaudit très fort, hein? Oh là là! Oh là 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 là! Alors, monsieur, viens voir par ici. Alors, comment tu t'appelles? Samuel. Alors, on applaudit très fort Samuel. Tu vois, t'es vraiment déjà un artiste. Hein. Alors, il y a une règle aussi, quand on est devant tout le monde, on ne montre pas son popotin, on regarde un visage. Hein. Donc, tu ne te retournes pas comme ça pour jouer, mais comme ça, d'accord? Alors, tu as vu comment ça fonctionne? C'est dangereux, hein? Tu es prêt? Et non. Et non, qui dit? Il faut l'encourager, là. Alors, il est là? Il est là? Il est fou. Tu es sûr que tu veux toucher? Allez, regarde-moi. Comment je m'appelle? Auguste. Il est quoi, Auguste? Il est clown. Et les clowns, ils sont gentils ou ils sont méchants? Ils sont gentils. Alors, on y va. Ah, il est fou. Allez, tu peux y aller. Ah! Heureusement, j'ai retiré le ressort. On applaudit les deux artistes, merci beaucoup. Qui veut les cendres, merci. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais vous montrer un tour très spécial. Qui c'est qui a fait des pompons déjà à l'école? Les grands, vous avez fait des pompons, si à l'école. Moi, j'ai fait des pompons quand j'étais un petit peu moins gros. Alors, on y va. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Il y a un pompon orange ici et vert en bas. Le jaune.
Ah, ça c'est bleu et ça c'est jaune. Oui. Ou c'est ça jaune et ça c'est bleu. Non. D'accord. Et ça alors ça c'est noir et ça c'est vert. Non. Alors ça c'est rouge et puis blanc. Oui. Alors ok, ça c'est rouge et ça c'est blanc et ça c'est bleu et ça c'est qu'est-ce que ça que c'est? Qu'est-ce que ça que ça que ça? Qui c'est qui a touché à mon bâton? Mais que Mais c'est pas possible! Mais qui c'est que t'as battu que t'as. Ah, je sais pourquoi! Je sais pourquoi, il faut le tourner, ça va mieux comme ça. Alors, certes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, ça marche plus, mesdames. Ah, ici, enfin calmé. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont deviné, là? Qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'il y a une petite souris à l'intérieur? Ah, il y a une ficelle à l'intérieur! Ok, levez la main à tous ceux qui pensent qu'il y a une sifflette à l'intérieur. Une ficelle, hein? Waouh! Les grands, ils savent qu'il y a une ficelle, hein, mais ils disent pas. On y va, on regarde à trois. Un, deux, trois, et il n'y a pas de ficelle. On applaudit l'artiste, merci. Hey! Oh là 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 là! Aïe 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 aïe, mais qu'est-ce qu'on s'amuse? Alors, on va mettre la musique et on va faire un tour de magie. Je suis un petit peu arrivé. Oui, c'est magie, oui. Oh, vous avez raison. Alors, attention. Il faut que je vous explique. Il y a un mot magique, c'est pas n'importe lequel. Merci. Mais non, c'est pas comme ça. Je vais vous dire le mot. Écoutez. Vous savez, quand ça chatouille dans le nez, on fait affût. Et quand tu dis affût, ça marche, on va voir. Alors, vous êtes d'accord, on fait une répétition. À trois, vous dites affût. On y va? Un, deux, trois. Affût. Ils disent achou, c'est pas vrai. On dit affût. Affût. Okay. On va voir si ça marche. Alors, j'ai ici un carré magique. Ah, c'est un rond, c'est une boule, c'est pas grave. Alors, on la met ici, comme ça, et on met la musique, chef. Alors, on va mettre... Alors, je vais vous dire, au moment où il faudra dire le mot magique. On y va à trois. Un, deux, trois. Eh bien, ça marche. Ah là 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 là. Mais qu'est-ce que ça, que ça, que c'est? Wouh! Mais regardez-moi ça! Wouh! 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 Oh, non, 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 tu reviens ici. Soufflez un peu vers moi, là. Soufflez là, comme ça, ça va bien. Hé, hey, vous avez trop soufflé! Reprenez un peu le souffle, là! Oh, ok. Et maintenant, souffle pour le faire descendre tout doucement. Allez, soufflez pour que ça descende. Mais pourquoi ça remonte alors? C'est pas... Oh là 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 là! Oh là là! Alors, qu'est-ce que ça que c'est? Il y a des gens qui ont trouvé le truc. Hein. Quoi? C'est une boule, ouais. Alors, on va le mettre dans mon chapeau, tu vas voir. On met dans le chapeau comme ça, et je vais vous montrer le mécanisme qui est à l'intérieur. On regarde. Un, deux, trois. Et qu'est-ce qu'il y a? Et, qu'est-ce que c'est? Mais il n'y a rien dedans. On applaudit l'artiste, merci beaucoup. Ouais! Oh là 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 là. Alors, ça fait drôle, hein? Oui, il y a des trucs, là. Alors. J'ai ici apporté mon livre préféré. Je sais aussi que c'est le livre préféré de Quartier Libre. C'est la Bible. Tu connais ça? Oui. C'est un livre fantastique. Hein? Il est formidable, hein? Mais c'est un petit peu dangereux quand on l'ouvre. Pour ça, il y a des gens, ils n'osent pas trop l'ouvrir parce qu'ils se demandent ce qu'il y a à l'intérieur. Surtout qu'à des moments, il y a parfois des surprises. Ah! Mais qu'est-ce que ça que c'est? Mais c'est pas vrai. Ah! 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 Bah, dis donc. Vous avez vu ça? Oui. C'était quoi? Du feu! Du feu? Aïe, 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 aïe. Alors, vous savez pourquoi il y a du feu qui vient comme ça? Parce que c'est Dieu qui parle, là. Et quand il parle, c'est formidable. Vous avez froid, vous, l'hiver? Oui. Qui c'est qui peut faire du feu dans la maison?
Ouais, papa et maman, ouais, c'est peut-être mieux parce que sinon tu vas faire du dégât. Alors moi, quand j'ai froid, je fais du feu et je viens tout près du feu pour me réchauffer. Et quand j'ai froid dans mon cœur, alors j'ouvre la parole de Dieu et ça réchauffe mon cœur. C'est pour ça que je vous recommande ce livre, c'est formidable. Alors on a le droit d'applaudir. Merci beaucoup, ouais. Mais vous êtes fantastiques. Waouh. Ok. Alors, je vais désigner le monsieur ici en rouge, ici. Tu viens vers moi. Viens, mon grand. Chut, allez, au bout de travail. Tu fais le tour comme ça. Tu fais le tour. Et on met un petit peu de musique, merci, pendant que ce jeune homme arrive. Aïe, 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 aïe. Voilà, ici. Comment tu t'appelles? Tom. On applaudit Tom. Et voilà, Roche, qu'il est. Merci beaucoup. Alors, tu vas, on peut arrêter la musique, merci. C'est mon grand. Voilà, merci. Alors, tu vas prendre comme tu fais comme moi. Tu prends la corde dans la main, tu vois. Mais qu'est-ce que tu as en main, là? T'as tout ton fric? Mais dis donc, mais t'es riche, toi. Mets voir ça dans la poche, s'il te plaît, ou bien tu me le donnes. Voilà. Alors, tu prends la corde comme ça. Tu es d'accord de faire un petit peu de magie avec moi? Alors, regarde bien. Comme ça. Tu prends ici. Et puis vous allez faire tous le bruit magique, c'est... Vous savez faire ça? On y va. 1, 2, 3 et tu tires sur la corde. Waouh! Maintenant tu fais de l'autre côté. Prends ici, tu viens le chercher là. Non, tu mets ta main comme ça. Voilà. Lâche cette main. Viens ici là, comme ça. Et on y va à 3. 1, 2, 3. Ouais, il est fantastique. Hein? Maintenant tu me fais un nœud, s'il te plaît, avec cette corde. Tu sais faire un nœud? Il va faire un nœud. Regardez, il fait un nœud. C'est formidable. T'as appris des nœuds? Wow, on applaudit, il a fait un nœud, ouais. Et maintenant, Tom, tu défais le nœud. Tu défais le nœud, ça c'est un peu plus compliqué, hein. Ouais, super. Et on applaudit Tom parce qu'il a défait le nœud. Alors, maintenant tu me donnes la corde, on va la mettre ici. Tu te mets ici sur le côté et tu vas me donner un ordre, d'accord? Mais je vais te dire ce que tu dois me dire, parce que sinon, on va dire des bêtises, hein. Alors, tu sais comment on fait? Attends, faut que je mette ça ici, comme ça, dedans. Ça, c'est un tube magique, tu vois, il est transparent, il y a un trou dedans. On met la corde comme ça. Et puis, alors, c'est très important. Quand on ouvre le livre de tout à l'heure où Dieu parle, c'est génial. Parce que vous savez, Dieu, il dit et la chose arrive. Il dit, lumière, et la lumière arrive. Alors, on va essayer, tu vas faire comme Dieu. Hein. Tu vas dire un nœud, d'accord? Tu le dis quand tu es prêt. Tu es prêt? Alors, tu dis un nœud. Il y en a un. Et tu en vois encore un? Un nœud. T'es sûr? Attends. Oup, il est là. Et puis encore un? Un nœud. Oui, on applaudit. Merci beaucoup. Tu peux aller, merci mon grand. Ouais, c'est génial. Waouh, dis donc. On fait ces trucs ici. Oh, aïe. Alors, ah oui, j'aimerais bien savoir si, dans la salle, il y a quelqu'un qui sait réparer mon épouvantail. Vous savez réparer les épouvantails? Vous savez réparer les épouvantails? Est-ce que c'est un épouvantail? C'est quoi? Comment ça s'appelle? Un ventilateur à main, oui, c'est vrai. Un vent quoi? Un éventail. Éventail. Oh, c'est taille. Ah, oh, éventail. Alors, qui c'est qui va réparer l'éventail? Il y a des enfants qui savent réparer les éventails. Moi, j'ai envie de demander à un grand, la dame là avec les lunettes, vous croyez qu'elle sait réparer les épouvantails? Vous faites la tour, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, vous croyez qu'elle sait réparer? Comment qu'elle s'appelle? Bonjour, mademoiselle ou madame, vous mettez ici, ça va bien? Vous allez bien? Vous avez réparé les épouvants, machin, là? Ben si, vous allez voir, c'est génial. Mais je suis sûr que vous... Mais regardez... Regardez le public. Le public, ils ne veulent pas voir ton popotin, ils veulent voir ton sourire. Et ça. Alors, on y va. Vous soufflez. Non, il ne faut pas toucher, il faut souffler. Soufflez. Hop. Comment vous faites ça? Vous êtes fantastique, parce que moi, quand je souffle... Tiens. Oh, mais mince alors! Vous pouvez réparer de nouveau, c'est gentil, ça. Bon, merci, on applaudit. Wow, l'artiste! Ouais! Oh là 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 là! Alors... J'ai besoin de deux garçons costauds et d'une fille avec un grand sourire.
Alors je vais prendre la demoiselle ici, s'il vous plaît, mademoiselle. Je vais prendre le garçon qui est ici, là. Et puis, je vais prendre le petit blond qui est ici. Allez hop, vous montez vite. Musique, on vous applaudit. C'est génial. Ouais. Ah. Bonjour, mademoiselle, tu te mets là. Bonjour, monsieur, tu te mets là. Ici. Et toi, tu te mets là. Alors, merci. Alors, comment tu t'appelles, toi? Méritane. Et t'as de l'argent, dis donc, j'ai vu. T'as gagné des dollars. Et toi, tu t'appelles? Céline. Céline, oh, c'est un joli prénom, ça. Moi, si j'avais été une fille, c'est Célia? Céline. Céline, mais pourquoi vous dites Célia? Et toi, c'est comment? Kylian. Kylian, ouais, Kylian, c'est le costaud, hein. C'est... Alors, vous allez bien, les trois? Alors, regardez, si vous faites ça, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Regardez. En plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont beaux? Oui. Alors, je vais donner à Kylian quelque chose pour qu'il soit encore plus beau. Voilà. Oh, regardez comme il est beau. Tu le mets bien sur ton nez, hein. Et puis, il y a son copain, lui aussi, il voudra amener, lui aussi, hein. Regardez comme ils sont beaux. Oui. Et puis on ira encore plus beau, voilà. Et encore plus beau, voilà. Et pour la demoiselle, alors les demoiselles, on leur met pas des nez. On leur donne un cœur, comme ça. C'est un cœur qui donne des câlins, comme ça. Alors, c'est très important parce qu'on va essayer de trouver une parole où Dieu dit, écoutez ce que Dieu dit. Alors regardez bien parce que les gestes sont très importants. L'homme regarde au physique, physique, vous voyez pas bien, d'accord. L'homme regarde au physique, physique, tandis que Dieu regarde au cœur. L'homme regarde au physique, ouais, tandis que Dieu regarde au cœur. Waouh. Alors on essaye ensemble. Faut peut-être vous lever, parce que sinon vous allez avoir de la peine, hein. Alors on y va juste un petit peu. Entraînement d'abord pour le premier mot. Physique, 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 physique. C'est bien. Alors on y va, on essaye. L'homme regarde au physique, physique, physique. Et Dieu regarde au... Vous pouvez vous asseoir. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben... que nous, on regarde les gens et on fait « Oh, comme elle est jolie, elle a des longs cheveux, hein? Comme moi, quand j'étais jeune. Oh, elle a un beau pantalon. Ouh! Avec un pantalon comme ça, eh ben dis donc, tu dois être première de la classe, hein? Et lui, mais il a de ses beaux nez, vous avez vu le nez qu'il a? Ouh! C'est ce qu'ils appellent la chirurgie esthétique, hein? Oh là là! Et lui, alors, toi, tu as un pull vert génial! Waouh! Avec ça, ça doit être génial. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'homme regarde au... physique! Et Dieu regarde au... cœur! Qui c'est qui pourrait le dire? Moi! Tu veux venir? Viens vite, toi. Et puis, le grand garçon ici qui fait de la rigolade, tu viens aussi. Tu veux partir? Alors, toi, à côté, va vite pour moi. Hop! Venez vite, on va voir s'ils vont réussir. Faut pas faire de bruit qu'on les entende bien. Alors, mademoiselle, tu t'appelles comment? Bon, direct, t'en es clown, Lisa. T'es clown, toi? Alors, tu essayes, on y va. Et toi, tu t'appelles comment? Philippe. Philippe. Philippe, t'es bien, toi, ça va bien? Oui. Alors, on y va, tous les deux, les trois, on y va ensemble? Vous connaissez le mouvement, là? Allez, que ça bouge un peu, là, le popotin. De l'autre côté, c'est plus joli. Comme ça. Voilà. On y va? Allez, à trois. Un, deux, trois. L'homme regarde au... Tu veux tourner? L'homme regarde au... tandis que Dieu regarde au cœur. Ouais. Allez, vous pouvez vous descendre. On les applaudit très fort. Merci. Alors, maintenant, on va faire le concours. Attention. Je vais demander à tous les garçons de se lever. Ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière. Et puis, on va essayer de battre le record de celui qui dit la phrase la plus forte. On y va. Alors, d'abord, répétition. Un, deux, trois. L'homme regarde au physique et Dieu regarde au cœur. Alors, de toutes vos forces, 1, 2, 3, l'homme regarde ici et Dieu regarde là. C'est pas mal, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je vais demander à toutes les dames, toutes les demoiselles et les petites filles de se lever. Et il y en a une qui a triché tout à l'heure, elle s'est levée avec les garçons. Il faut que tu te lèves avec les messieurs.
Allez, 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 on y va. Attention à trois répétitions. 1, 2, 3. Le regard au physique. Il te regarde au cœur. Alors maintenant, à fond le ballon, les filles. Hein. Plus fort que les garçons, si c'est possible. 1, 2, 3. L'homme regarde au physique. Et Dieu regarde au cœur. Bon, les garçons, debout, tout le monde, s'il vous plaît. Alors, d'abord, répétition. Ensuite, surprise. La répétition, on y va. 1, 2, 3, vous êtes prêts? L'homme regarde au physique et Dieu regarde au cœur. La surprise, vous allez crier tellement fort la parole de Dieu, ça va même s'entendre à Yverdon et à Lausanne. Alors on met le paquet, hein. 1, 2, 3. L'homme regarde au physique et Dieu regarde au cœur. Wow, fantastique, merci. On vous applaudit. Merci mademoiselle, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes extraordinaire. Musique, maître, merci. Voilà. Voilà les enfants. Ça va? Vous arrivez à suivre? Vous en voulez encore? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Ah, c'est Coco, mon petit copain. Ouais. Ah non, 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 pas dans les oreilles. Ah! Oh là là, oh là là, oh là. Oh oui, tu veux voir tes petits amis, là, tu vois? Regarde tes petits amis. Regarde les petits amis. Allez, hop, dans ta cage, mon hop là. Voilà. Oh. Alors, je vais demander à un garçon et une fille de venir. Elle n'a pas besoin de lever la main, c'est moi qui choisis. Je vais choisir mademoiselle avec le sourire, tu veux venir? Ouais. Il faut un garçon costaud, là. Ah, j'aimerais bien prendre celui-là, là. Il est joli, il a un grand sourire, il a des belles dents. Alors, comment tu t'appelles? Oui, viens vite ici, viens. Viens, mademoiselle. Comment tu t'appelles? T'as une jupe comme moi. Ah, c'est une robe, toi? Moi, c'est une jupe. Et tu vas. Et toi, tu t'appelles comment? Gabriel. On applaudit nos deux artistes, si vous voulez bien. Alors, tu voudrais ranger ton fric? Tu te mets ici, là. Et toi, là. Non, ça va pas. Mets-toi ici, ton micro. Mon Dieu, que vois-je? Alors, tu te mets ici, voilà, comme ça. Tu te mets là. Mais reste là, ici, tu regardes là, ok? Donne-moi ton argent. Mais on met dans le chapeau, de toute façon, ça ne va pas disparaître. Voilà. Ça va? Tu fais confiance? C'est un chapeau qui s'appelle UBS. Tu sais, j'ai pas confiance. Alors, on y va? Bon, alors, on y va? Vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tu vas te mettre comme ceci, tu vas retrousser tes manches. Comme ça, des deux côtés. Montre que tu es costaud. Montre comment tu es costaud. Fais comme ça, là. Montre que tu es costaud. Waouh, vous avez vu ça? Bon, alors, tu vas baisser ta tête comme ça. Toi, tu vas te mettre de l'autre côté. Ici. Aïe, 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 viens. Ici. Viens ici, là. Donc, toi, tu restes là. Mademoiselle, tu viens ici. Comme ça. Tu vas lui mettre le produit. Attends, je t'ai aidé. Tu regardes le public, comme ça, avec un gros sourire, là, comme ça. Comme les stiprines, les speakerines. Voilà. Et puis, tu vas mettre un petit peu là-dedans, juste pour voir si ça marche. Stop, 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 stop. D'accord, oui, ça fait. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, tu voudrais donner le petit torchon qui est par terre. Le petit papier qui est par terre. Voilà. Alors, tu peux mettre la musique, mon grand. Tu penches ta tête comme ça, tu regardes les gens. Voilà, tu veux mettre, vas-y, hop, vas-y. Tu verses dans l'entonnoir, vas-y. Tu te dis halte, hein, quand t'as... Encore un peu. Encore un peu. Ok, ça suffit, je crois que ça suffit. Oh là 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 là. Bon, ça va mon grand? Alors, on ferme la bouteille. Voilà. Tu te mets sur le côté parce que les gens voudraient voir ton sourire. Alors, tu mets la tête en avant, en arrière, côté gauche, côté droit. Bon, ça va pas, on va secouer tout ça. Hein. Voilà. Voilà.
Alors, tu tiens le bras ici. Tu lui tiens le bras et tu vas faire comme ça. Hein, mais pas tout de suite. Attends. Alors, attention. Aïe, 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 aïe. Tu mets le bras comme ça. Plie le bras. Voilà, tu peux commencer à pomper, ma grande. Vas-y, pompe. Ah, ah, mais qu'est-ce que ça casse ? Oh, pompe, pompe encore. Ah là 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 là. Mais regardez-moi ça, mais c'est pas possible. Oh là là, que d'eau, que d'eau, que d'eau. Oh là 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 là. Eh ben dis donc. Ouais, on les applaudit très fort. Merci. Vous pouvez aller. Merci bien. Oh là 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 là. Bon, faut pas faire le nettoyage, sinon on va se casser la figure. Hein. Oh là 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 là. Voilà. Wouh. Eh ben dis donc. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai un de mes amis. Il m'a. Oui. Attends, ton argent. Oh pardon. Il y a ici, il y a la banque ici. Tiens la banque. Voilà, mademoiselle. Alors, vous savez, c'est formidable parce que j'ai un ami, il m'a donné cette éponge, elle est jolie. Hein. C'est comme le cœur de la demoiselle. Parce que vous savez, c'est seulement l'amour qui efface les fautes. Quand on a fait des bêtises, eh bien, les autres, ils peuvent nous pardonner. Alors, on applaudit très fort, merci. Ouais. Alors, aïe, 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 aïe. Ah, alors, je vous ai préparé quelque chose de très, très, très curieux. Voilà, ici, j'ai... Attends, on va voir comment ça fonctionne déjà, ça. Oh là 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 là. Alors, j'aimerais bien, est-ce qu'il y aurait... Est-ce que vous voulez choisir une dame dans la salle, les enfants? Quelle dame va venir? Est-ce qu'il y a une dame, vous voulez qu'elle vienne? Quelle dame, vous voulez... Comment elle s'appelle, la dame, vous voulez qu'elle vienne? Comment? Sally. Comment elle s'appelle? Sally. C'est qui, ça, Sally? C'est toi encore? Oh, il faut choisir une autre, alors. Alors, moi, je vais demander à la demoiselle qui est ici avec son joli petit nœud. Tu viens ici, ma grande. Allez, oui. Elle voulait venir. Tu fais le tour comme ça et tu viens. Voilà. Alors, on l'applaudit, hein, parce que c'est pas facile de dire comme ça. Hein. Aïe, 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 aïe. Alors, comment est-ce que vous vous appelez, mademoiselle? Tu te mets là. Comment vous appelez? Loana. Louana. On applaudit Louana, s'il vous plaît. Oui. Alors, j'ai ici amené mon grand foulard noir. Il est noir ou noirte, comme on dit déjà? C'est noirte, oui, il me semblait bien. Alors, vous allez mettre les deux mains ensemble, comme ça. On y va? Non, mais ouvert et quoi, c'est l'autre? Non, mais les mains ouvertes, comme ça, voilà. Eh oui, tu te souviens, on a répété ce matin 5 heures, mais elle a oublié. Alors, je vais mettre ici le foulard. Et puis, c'est vous les enfants qui allez dire le mot magique, c'est quoi? Afu. Ah oui, oui, oui. Ah, oh, regardez ce que ça c'est. Oui, et on applaudit. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle. Ouais. Alors, toi ici, le grand, là, comment tu t'appelles? Comment? Alors, viens vite ici devant. J'ai du travail pour toi. Aïe, 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 aïe. J'ai apporté ma gabette magique. Alors, bien. Heureusement qu'il y a des gens qui connaissent le français. Comment vas-tu? C'est très beau, ça. C'est... Comment tu t'appelles, alors? Bruno. Bruno, qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît. Alors, j'ai ici une baguette magique. Alors, elle est un petit peu spéciale. Oh, pardon, tu vas aller chercher le bout qui est parti, là. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai, ça. Oh là là, et tu, ici, là 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 là, voilà. Heureusement que tu sais bien aider. Hein. Alors tu le remets, s'il te plaît, comme il faut. Voilà, tu me bien nous. Non, mais écoute, je te dis de le remettre, pas de le retirer. Merci. Ah là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible! Où est-ce que c'est? Oh, écoute, on va la laisser tranquille, hein, ça va bien. Je vais t'en donner une autre, si tu veux bien. Et puis, tu vas, on va essayer de. Tiens, tu prends la baguette et tu essayes de. Non, mais c'est pas possible, ça, tu. Tu sais quoi? Ah là 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 là, c'est pas vrai. Alors, c'est pas grave. Dis-moi. Je te donne... On se met ici tous les deux, on est des artistes, allez. Je vais te donner une baguette et tu vas les transformer en quoi? Tu dis affût et tu les transformes en... En grenouille. Alors, c'est pas compliqué, tu sais dire affût? Alors, tu fais comme ça. Affût. Affût. Oui, mais il faut avec la baguette. Alors, tu prends ma baguette, pas la tienne, mais la mienne. Alors, tu prends ma baguette et on y va. Quand j'ai dit ma baguette, pas la tienne. Range ça, s'il te plaît. Oui, voilà. Tu prends la baguette, on y va. Et à trois, on y va. Un, deux, trois.
J'ai dit ma baguette, pas la... Allez, on y va à trois, t'es prêt? Allez, hop, hop. Non mais c'est... qu'est-ce que ça que c'est? Oh là là, allez, reprends ma baguette. Tu prends la baguette, on y va à trois, t'es prêt, on y va. Hop. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu les multiplies, c'est pas possible. Où est-ce qu'il va les chercher? Tu prends la baguette, oh, bon, tu dis, ah. Oh non, monsieur, pas vrai. Oh là là, alors écoute, tu sais, on va faire autre chose. Si vous voulez bien, les enfants, il voulait vous transformer en quoi, lui? En grenouille. Ah ouais? Moi, j'ai envie de le transformer en clown. Vous êtes d'accord? Oui. On y va à trois, vous dites le mot magique. Un, deux, trois, et hop là! Et on applaudit le grand clown. Merci beaucoup, jeune homme. Vous êtes bien gentil d'être venu jouer avec moi. Oh là 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 là. Alors, vous savez, moi je suis un vrai magicien. Je suis un vrai magicien. Vous avez vu, ça c'est une boîte spéciale. Parce que tout est caché au fond. Alors, vous allez voir, qu'est-ce que ça. Regardez, c'est extraordinaire. Il n'y a rien dans la boîte. J'ouvre la boîte, je vais chercher dans la boîte et je trouve une banane. Quoi? J'ai pris dans la poche? Oui. Ben non, regardez, je vais la mettre dans la boîte ici et regardez ce qui se passe, il y a deux bananes. J'ai pris dans la poche? Oui. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pris là-dedans comme ça. Non, t'as pris dans la poche. Oh, allez, on applaudit Auguste, merci. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Eh ben dis donc, oh là là. Alors. Il faut que je vous montre, vous savez, j'ai un ami, il est peinturlureur. C'est cri-cri. Vous savez, mon ami peinturlureur. C'est quoi un peinturlureur? C'est cri-cri. C'est juste le mot peinturlureur. C'est comment qu'on dit? C'est peintureur. Peintureur. Ah, c'est peintre. Ah oui. Alors voilà, il m'a dit, j'ai mis ici la photo de celui que Dieu aime le plus. Et moi, je sais, c'est moi. Vous voulez voir si c'est moi? Oui. Alors, on y va à trois. Un, deux et trois. Est-ce que c'est moi? Non. C'est pas moi? Non. Mais qui c'est? Ah, mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Oh, cet ami, il est terrible. Vous savez, c'est aussi un farceur. Mais derrière, il y a vraiment la photo de celui que Dieu aime le plus. Et vous voulez voir? Oui. À trois, on y va. Un, deux, trois. Regardez qui c'est. Regardez qui c'est. Qui c'est ça? Oui, regardez. Mais oui, regardez qui c'est. Et si vous regardez bien, qui c'est qui est là? C'est moi. On applaudit, merci. Oh là là. Oh aïe 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 aïe. Ah là 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 là. Alors, ah oui, c'est vrai, je me demandais s'il y avait quelqu'un ici dans la salle qui savait réparer les fleurs abîmées parce que. Est-ce qu'il y a une maman qui a la main verte? Madame, elle a la main verte? Madame, vous avez la main verte, le petit chapeau là. Venez ici. Elle va réparer ma rose. Oh, c'est joli ça. Vous savez réparer les roses alors? Oui, on applaudit la dame, merci. Et on met un peu de musique, l'ami, merci. Vous venez ici. Comment que vous appelez-vous? Chantal, qu'on applaudit très, très fort. Alors, c'est pas compliqué, il ne faut pas toucher, il faut juste souffler. Vous soufflez tout doucement. Encore. Tout doucement, ouais. Wow. On applaudit très fort, Chantal, merci. Ouais, si vous pouvez descendre aussi. Alors, j'ai une autre fleur ici. Alors, on va prendre cette fleur et puis on va prendre la fleur comme ça. Alors, vous voyez, vous la prenez comme ça et puis vous la prenez dans la main et on l'envoie. Oh là 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 là. Tu voudrais venir ma puce ici? Viens voir ici. Viens tout près là. Parce que c'est caché dans tes oreilles. Viens ici, vous pouvez être... Oh là, oh. Ici, voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouais, merci.
Waouh! Eh ben dis donc, il y a des enfants qui sont fantastiques ici. Aïe, 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 aïe. Alors, je voudrais savoir si dans la salle, il y a un policier. Un policier, pas un futur policier. Est-ce que dans la salle, il y a un monsieur qui est policier? Ou gendarme? Ou soldat suisse? Il n'y a pas de soldat suisse dans la salle? Est-ce qu'il y a des soldats? Il y a un soldat suisse. Levez la main, les soldats suisses, là, je ne vous vois pas bien. Est-ce que le soldat suisse pourrait venir ici devant? Il n'y a pas de soldat suisse? Est-ce qu'il y a un pompier ici, au moins? Bon, alors, monsieur qui riez, vous venez ici, vous là. Oui, 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 venez, venez m'aider, allez. Vous avez votre épouse avec vous? Madame est là? Vous la prenez avec, allez. Et on applaudit déjà à l'avance. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Ah, il y a toute la famille qui vient. Oh, c'est génial. Ça, c'est formidable. Alors, pendant que monsieur et madame viennent ici, je vais vite vous faire un petit tour, parce que, voilà. Et alors, on va leur demander de me aider. Aïe, 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 aïe. Vous les connaissez? Vous savez comment ils s'appellent? Alors, on va voir, c'est la surprise. Bonjour, monsieur. Attention, pas marcher sur mon tableau. C'est gentil, ça. Comment ils s'appellent? Bien, ici, monsieur et madame. Je m'appelle Fatbarra. Fatbarra. Alors, on les applaudit très fort, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez, vous êtes couturière? Vous savez faire de la couture? Non, un peu. Un peu. Alors, vous tenez ça, on va voir. Ici, vous voyez, regardez, monsieur, tenez ici dans la main, comme ça. Vous voyez, c'est du solide, hein? Ça, ça représente notre vie. Et puis, des fois, dans la vie, vous le pouvez lâcher maintenant. Lâcher, voilà. C'est bien. Oui, c'est pas grave. Alors, on va prendre la corde comme ça. Et madame va la couper en deux. Vous allez couper la corde en deux. Non, mes doigts! Doucement. Pas les doigts, la corde, hein. Voilà. Doucement, vous surveillez, hein. Pas qu'elle coupe les doigts. Aïe! Aïe, 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 aïe. Alors, la corde, elle est bien abîmée. On va essayer de la réparer. Oh là 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 là. Est-ce que des fois, vous faites des bêtises, vous, les enfants? Oui. Quel genre de bêtises vous faites? Moi, je Qu'est-ce que tu fais comme bêtise, toi? Moi, je cogne. Tu te salis. Ah ouais, hier, il y avait une petite fille qui me disait, je cogne mon petit frère. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je fouette ma sœur. Mais c'est quoi ces enfants? Mais c'est pas vrai. Et toi? Je casse des vases. Pas un seul, mais des... Eh ben dis donc, ben c'est quand on fait des bêtises, c'est comme si encore on coupait notre vie comme ça en deux. C'est pas bien beau, hein? On va essayer d'arranger ça. Vous allez couper la corde, mais pas les doigts, hein? Vous surveillez, monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ah, il y a un morceau de doigt qui est parti. Ah non, c'est pas ça. Ok, encore ici, là, doucement. Aïe, 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 ah! Ouh là 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 là! Vous me redonnez ça, c'est trop dangereux. Voilà. Alors, regardez un petit peu. Maintenant, on va faire disparaître le gros nœud qui est là. Comment on va le faire disparaître? Je sais. Comment tu fais disparaître? On va souffler. Allez, souffle. Ah. Et voilà, il a disparu. Qui il c'est qui? Il est toujours là. Ah, pardon. Alors, on y va à 3. 1, 2, 3. Hop, il a disparu. Qui c'est qui voit encore le nœud? Il y a ta main. Qui voit le nœud? Qui voit le nœud? Il y a des enfants qui voient des choses invisibles. Oh! Alors, c'est pas la bonne solution. Parce que ça, vous savez, quand on a fait des bêtises et qu'on les couvre comme ça, ça s'appelle un mensonge. Et on dit pas la vérité. Puis on pense que c'est la solution, mais c'est pas la bonne. Alors moi, je vais vous donner ma solution à moi. Moi, quand j'ai fait des bêtises, d'abord, je demande pardon à celui que j'ai fait mal. Hein. Ouais, je lui demande pardon. Je suis désolé. Puis après, je viens vers Dieu, puis je dis... Dieu, je suis désolé, j'ai fait une grosse bêtise. Est-ce que tu pourrais bien me pardonner et venir réparer mon cœur qui est tout abîmé? Alors, on va demander à madame de prendre la corde ici. Et monsieur, prenez la corde ici comme ça. Et regardez, regardez-moi ça, c'est pas fantastique? C'est pas extraordinaire? C'est formidable, ça. Hein? Alors, on applaudit, merci. Ah, c'est génial. Alors, vous avez vu ça? Quand on en a gros sur le cœur, on peut en parler à Dieu, puis Dieu, il nous écoute. Alors, monsieur et madame, je vais vous demander de faire du travail, là. Ah là 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 là. Oui, alors, ici, madame, monsieur, ça c'est plus difficile. Vous n'avez pas été gendarme dans votre pays, non? Non, non, non. Non, non. Mais vous savez mettre des menottes? Vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors, je vous donne ici les fermetures. Mais attendez, on va changer un petit peu. Madame, vous venez ici. C'est une question de couleur, parce que c'est plus joli, hein. Les dames ici, le monsieur ici, et moi ici.
Applaudissements, monsieur. Alors, monsieur, vous prenez ici la fermeture. Et puis alors, on y va. Mais alors, il faut bien fermer, hein. Vous y allez, il ne faut pas avoir peur. Vous serrez très, très fort. Ah oui, il faut serrer très, très fort la chaîne. Très fort, hein. Encore, encore, encore. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Aïe! Oh, aïe! C'est bon? C'est fermé? C'est fermé. Merci beaucoup. Et là, pareil, il faut fermer très, très fort. Aïe, 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 aïe. Encore, aïe, 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 bon, ouf, tac, aïe, ah, musique, maître, aïe, 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 waouh, merci beaucoup, pas trop fort la musique. Alors, voilà, qu'est-ce que c'est que ça que c'est? Des menottes. Des menottes, vous les vérifiez pour voir si c'est bien fermé? Venez regarder les fermetures, là, faut pas tirer dessus, vous regardez juste. Voilà, vous avez tous vu, ouais, ouais, c'est bien fermé, hein, voilà, 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 voilà. C'est bien. Aïe, 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 aïe. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va baisser la musique, merci. Alors, vous savez, des fois dans le cœur, on est malheureux. Surtout quand les gens, ils ont été méchants avec nous. Alors, il y a des gens qui nous disent, ah, mais il faut pardonner, il faut oublier. Mais on n'arrive pas parce qu'on a trop mal au cœur. Et vous savez, des fois, oh, il y a des choses qui sont difficiles. Et on a mal au cœur. Puis dans notre cœur, c'est comme si on était prisonnier. Puis on essaie de pardonner, mais on n'y arrive pas, parce que c'est trop difficile. Mais moi, je sais une chose, c'est que là, ici, vous regardez comme c'est beau, c'est quelle couleur? Rouge! Ah, c'est rouge, c'est pas bleu? Non. C'est rouge. Hein. Vous allez voir, c'est un sac, voilà, comme ça. Alors, vous voyez, ça, moi, je l'ai appelé le sac de l'amour. Oui, ça représente tout l'amour que Dieu, il a pour nous. Alors, je me suis dit que si je me plongeais là-dedans, peut-être que je pourrais délivrer. On va essayer. Vous ouvrez le sac comme ça et vous allez voir. On y va. Vous comptez les enfants. On va voir. Ah, mais il faudrait regarder s'il n'y a pas des clés à l'intérieur. Il n'y a pas des clés. Il n'y a pas. Il n'y a pas un petit bonhomme vert à l'intérieur. Non. Non. Donc, il n'y a personne. Hein. Alors, vous allez voir. Vous comptez les minutes. Hein, vous savez. 1, 2, 3, 4. On y va. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Hop, on y va. Et je suis libre! Ouais, c'est fantastique ça! On applaudit les deux artistes, merci beaucoup! Ouais, merci! Youhou. Oh là là! Alors vous savez, quand ça fait mal au cœur, quand ça va pas, on vient vers Dieu pour lui dire: Dieu, tu sais, ça va pas dans mon cœur, ça va pas non plus dans ma tête, alors je te demande de m'aider. Et puis lui, il nous remplit de son amour, et c'est génial! Musique, maître! Ouais! Oh là 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 là! Aïe, 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 aïe. Je demandais à ce beau jeune homme avec une belle barbe de venir. Ah là 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 là. Ah. Merci, maître. Alors, vous allez regarder bien comme il faut ces trois cartes. Vous les voyez? Oui. Là, c'est le 18 et le 25. Non. C'est pas ça? 18 et 25, c'est pas ça? Non, c'est pas. Ça, c'est quoi alors ici? Le 10. Le 10, oui, c'est ça. Et puis là, c'est quoi à côté? Le et au milieu, c'est quoi? Le c'est le roi de cœur. Oui. Alors, quelle est la carte la plus importante? Vous êtes d'accord que c'est le roi de cœur la carte la plus importante? Alors, voyez, on va, vous mettez-vous de l'autre côté de la table, ici. Non, ça ne va pas, mettez-vous ici. Mais c'est une question de couleur. Non, dans le fond, c'est mieux que vous soyez là. Voilà. C'est bien. Alors, vous allez prendre le roi de cœur, vous prenez la carte, mais vous ne la retournez pas, vous la posez sur la table, ici, d'accord? Doucement, avec gentillesse, voilà. Il a pris le roi de cœur. Alors, d'après vous, les enfants, qu'est-ce qui reste dans ma main? Quoi? Mais ils sont fantastiques, ces enfants. Mais vous avez été longtemps à l'école, vous? Oui. Aïe, 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 aïe. Alors, il est où, le roi de cœur? Il est là. Tu veux regarder s'il y a un roi de cœur? Mais... Il n'y a rien.
Mais alors, ah oui, je sais pourquoi. Parce que je dois normalement poser une question à monsieur. Question indiscrète. Qui c'est qui voudrait être le roi de ton cœur? Oui. Allô, j'écoute. Dis le plus fort alors. C'est Dieu. Ouais. On applaudit, merci beaucoup. Mais les enfants, ça veut dire quoi un roi? Qui c'est qui connaît un roi? Les rois, ce ne sont pas seulement ceux qui coupent les rubans quand on a un nouveau pont ou une autoroute. Hein. Ce sont les gens qui ont le pouvoir suprême. C'est eux qui dirigent. Ben, il n'y en a pas beaucoup ici sur cette terre. Mais Dieu, il est le roi et il veut être le roi de ton cœur. Et si le roi de ton cœur, c'est lui qui doit décider. Alors, si tu veux demander à Dieu, « Dieu, tu es d'accord que je fasse ça ?» Alors Dieu dit « Ouais » ou bien « Non, mais c'est lui qui dirige. » Alors on applaudit très fort, merci beaucoup. Ouais. Wouh. Eh ben dis donc. Aïe. Alors, j'aimerais savoir si vous êtes fatigué. Non. Vous n'êtes pas fatigué. Non. Vous voulez encore des tours? Oui. Vous voulez encore un tour? Oui. Alors tous ceux qui veulent encore un tour, vous levez la main. Oh, dis donc, ben, y a du monde qui veut encore un tour. Les plus âgés, vous voulez pas de tour? On arrête alors? Encore, ok. Alors, attention. Vous savez, ici, dans mon beau canton de Vaud, on a quelque chose de spécial. C'est, on appelle ça des sacs en papier, mais à Lausanne, on appelle ça un cornet. Un cornet. Alors, les cornets, ils sont comme ça, il n'y a rien dedans. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on parle de Dieu, les gens, ils nous regardent et disent « Mais il n'y a rien dans ton cornet. » Alors, on va regarder si dans mon cornet, il n'y a rien. Vous avez vu s'il y avait quelque chose? Non. Il n'y a rien. Hein? Tu as vu quelque chose, toi? Alors, regardez. Chaque fois que je regarde dans mon cornet, il y a quelque chose de très spécial. Un mouchoir, il est de quelle couleur? Et ça vous fait penser à quoi, le rouge? À l'amour, oui, parce que Dieu nous aime très fort. Et vous savez, quand Dieu dit qu'il nous aime, c'est pas comme certains messieurs qui disent « Oh chérie, je t'aime », puis ils ne font jamais la vaisselle. Non. Parce que Dieu, quand il nous aime et il prend soin de nous. Regardez, si tu ne veux pas sortir, toi, allez. Il y a quelque chose qui devrait sortir, là. Ah oui, voilà. Voilà. Vous avez vu ça, comme c'est beau? Et puis Dieu, vous savez ce qu'il dit? Il dit que, en fait, il ne nous a pas laissés tout seuls. Il nous a donné quelque chose de spécial. Oui, sa présence qui vient en nous. Alors, on n'est jamais tout seul. Moi, j'aime bien parce que des fois, j'ai peur dans la nuit. Puis je dis, Dieu, au secours, au secours. Puis tout d'un coup, il y a la paix qui vient dans mon cœur. Mais vous savez, c'est pas rien. C'est du solide quand il vient. Ouais, regardez. Ouais. Et puis, vous savez, alors là, c'est génial. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Et puis ils disent, ouais, la vie, elle ne se finit pas ici sur la terre. Il y a quelque chose après la mort. Alors regardez ce qu'il y a, oh là là, dans mon cornet. Ouh, ça vous fait penser à quoi, ça? À quoi ça vous fait penser, ça? Bleu comme le... Ouais, comme le ciel. Et vous savez, Dieu nous a dit qu'on vivrait toujours avec lui, dans son ciel. Et regardez, c'est pas de la blague. Waouh! Regardez-moi comme c'est beau. Maintenant, ne me demandez pas comment c'était là-dedans, j'en sais rien. Mais on applaudit très fort, merci. Ouais! Wouh! Eh ben dis donc, la musique. Oh, tu l'auras dit, Cri-cri. Alors, cri-cri. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive à la jambe, là? Ah, voilà. Elle aime beaucoup la musique, hein. Voilà. Allez, hop, dans ta cage maintenant, parce que on va faire
Vous ne voudriez pas qu'on fasse des bonbons maintenant? Oui. Ah. Vous voulez pas faire bonbons? Oui. Aïe, 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 aïe. Alors, ça c'est encore... Oh là là, où est-ce que j'ai mis ça? Oh là là, là là, là là, là là, là là. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la salle qui sait comment on fait des bonbons? Vous savez comment faire des bonbons? Vous êtes sûr? Aïe, aïe, aïe. Alors, comment est-ce qu'on fait des bonbons? Toi, qu'est-ce qu'on fait pour mettre des... Qu'est-ce qu'on met comme ingrédient pour faire des bonbons, tu sais? Alors, viens mettre du sucre invisible. Viens vite mettre du sucre invisible. Voilà. Merci, mademoiselle. On applaudit la demoiselle qui a mis du sucre invisible. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on met encore? Quoi? Du colorant. Allez, du colorant. Vas-y, le I-412, le terrible, là. Voilà. Et puis quoi d'autre, mademoiselle? Tu voulais mettre quoi, toi? Tu voulais du sirop. Alors, viens vite mettre du sirop invisible. Hop. Et toi, mademoiselle? Alors, viens vite mettre de la farine. Ça va être spécial. Ah oui, c'est spécial. Et puis quoi d'autre, les garçons? Allez, viens vite mettre. Viens vite, qu'est-ce que tu veux mettre? Qu'est-ce que tu veux mettre? Du poisson. Du poisson? Alors, viens mettre du poisson. On met pas du poison dans les bonbons. Et il y a qui, cet enfant-là? Tu dis des bêtises. Et toi, tu voudrais mettre quoi? Quoi, des cornichons? Pas des cornichons. Oh, des oignons? Oh non. Quoi, qu'est-ce que tu veux mettre, toi? De la crème, oh voilà, c'est bien. Et puis quoi d'autre, mademoiselle? Du lait, oui, alors mets vite du lait. Hop, voilà. Et puis ça va aller comme ça? Non. Je voudrais... Quoi, qu'est-ce que tu veux mettre, toi? Du chocolat. Du chocolat, vite, là. Et vas-y, mets vite. Du caramel. Du caramel, du chocolat. Allez, jetez tout ce que vous voulez dedans. Allez, hop, 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 hop. Ouais, oh, ça va. Bon. Alors, maintenant... J'ai besoin de Madame Brigitte pour remuer tout ça. Madame Brigitte, s'il vous plaît, il faut venir brasser, remuer, mélanger tout ça. Alors la musique, chef, merci. Brigitte, on fait le tour. Brigitte. Oh là 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 là. Ah, oh, mais c'est dans le rythme, c'est bien. Alors, on applaudit bien notre artiste. Alors, est-ce que vous voulez brasser tout ça comme il faut? Il faut bien remuer. Vous remuez comme ça avec le doigt, ça va bien. Waouh, vous avez vu ça, comme elle a fait ça? Bon, alors, musique un peu plus basse, merci. Alors, vous mettez ici sur le côté, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, voilà, je fais des bonbons depuis un certain temps et j'avais des longs cheveux. Mais parce que j'utilise ce produit, il n'y a plus grand-chose qui me reste sur la tête. Alors, si vous voulez, mettez-vous un petit peu à l'écart. Attention, les enfants. On va maintenant cuire les bonbons, d'accord? Vous êtes prêts? Elle a peur, Brigitte. Hein? Après, il faudra venir contrôler, voir si ça marche. Vous êtes prêts? Alors, attention, on met la poudre à canon ici. Et puis, on y va à 3. 1, 2 et 3. Ah! Vous avez-vous pourquoi j'ai plus de cheveux, hein? Aïe, aïe, aïe. Alors, Madame Brigitte, elle va venir contrôler pour voir si ça a marché. Est-ce qu'on a fait quelque chose de... Quoi qu'elle est plus fort? Il y a plein de bonbons. Il y a plein de bonbons qu'elle dit. Alors on applaudit très fort Auguste, merci beaucoup. Quoi, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Viens voir ici mon grand, viens vite, tu fais le tour ici. On va contrôler, vous voulez bien contrôler voir s'il y a vraiment... Ce ne sont pas des biscuits ça, c'est... Oui. Alors, viens vite mon grand, comment tu t'appelles toi? Samuel. Samuel, alors Samuel, tu vas regarder et regarde ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le plus fort! Beaucoup de bonbons! Voilà, on applaudit très fort Auguste, merci beaucoup! Ah, vous voulez les voir? Vous voulez voir les bonbons? Bon, bah alors on y va, il n'y a pas de problème, ils sont là! Hein. Oh là 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 là! Aïe 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 aïe! Oh là là! Et voilà les enfants! Et voilà! Alors! Je vais vous dire ce qui se passe avec les bonbons, parce que ce sont des bonbons très spéciaux. Ne vous inquiétez pas, il y en a qui n'ont pas eu de bonbons. Regardez les bonbons magiques. Regardez les bonbons magiques. Vous voyez, vous prenez le bonbon comme ça, vous l'ouvrez, il faut ouvrir le bonbon. Vous prenez le bonbon dans la main,
Vous mettez le papier dans la poche, c'est très important. Et puis le bonbon, vous trouvez une bouche pour le mettre à l'intérieur, comme ça. T'en as déjà un ? T'as pas attendu, toi ? Alors, c'est pour Brigitte. Et voilà. Donc, c'est pas pour vous, les bonbons. C'est pour votre voisin, d'accord ? Qui c'est qui n'a pas eu de bonbons ? Levez la main. Alors, regardez, sans que beaucoup de bonbons, vous allez donner des bonbons à ceux qui n'en ont pas. D'accord ? Ouais, merci beaucoup. Alors. Alors, vous voyez, il y a des papas et des mamans qui sont là. Alors, je vais vous demander de vous asseoir. On va faire un dernier tour pour les papas et mamans, d'accord ? Alors, vous pouvez descendre. Merci beaucoup. C'est très gentil de m'avoir aidé. Voilà. Alors. Alors, attention, les enfants. On va faire un dernier tour. J'aimerais que vous regardiez parce que ici, j'ai une surprise pour les papas et les mamans. Attention, les grands, là. Les barbus, ceux qui n'ont plus de cheveux. Voilà, attention. Regardez bien. Vous n'avez pas eu les bonbons parce que vous n'aimez pas les bonbons, mais j'ai un petit cadeau ici pour vous. Alors, regardez bien. Ici, j'ai un foulard rose. Et puis ici, j'ai un foulard. Oh, ben vous êtes fantastique, hein. Et puis ici, j'ai un foulard. Ok. Alors, attention. J'aimerais que on va regarder un petit peu parce qu'il me semble que dans le foulard ici, j'ai quelque chose ici de spécial. Mais il va falloir que vous les preniez. Vous pourrez peut-être en prendre un pour vous et puis en donner à vos parents. Regardez qu'est-ce qui se passe. Mais regardez des petits cœurs. Et il y en a tout plein, tout plein. Alors dès que vous en avez, vous allez en apporter vers papa, maman, parce que les grands, ils n'osent pas venir devant. Voilà, on met la musique, merci. Ouais, mais c'est génial. Oui, attends, ça vient. Regardez encore. Oh là 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 là. Et il y en a encore, et encore, et encore, et encore. Alors voilà. Et regardez bien ce qui est écrit dessus. Oh là là, je suis en train de perdre mon foulard. Vous pouvez me donner le foulard qui est par terre. Voilà, le foulard ici qui est par terre. Merci beaucoup. Voilà. Alors, vous allez vers les papas, maman, et vous allez leur apporter un petit cœur. Comme ça, chacun a un souvenir de cette super après-midi. Voilà. Ouais. Alors. Ouais, c'est génial. Qu'est-ce qu'on s'est amusé cet après-midi? Alors, les papas, les mamans, les enfants, j'aimerais vous remercier pour cet après-midi parce que vous avez été super géniaux. Alors, si vous voulez bien, moi, j'aimerais bien qu'on peut aussi applaudir un petit peu Auguste. Hein, d'accord, on y va. Oui, merci beaucoup. Et puis, j'aimerais qu'on applaudisse celui qui est le meilleur, le plus grand, le plus beau. C'est Dieu. Et lui, on l'applaudit très fort. Ouais. C'est génial. Super. Voilà, merci beaucoup. Voilà, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir, les enfants. Bye bye. Au revoir. Eh oui. Il y a des moments qui ne sont pas faciles dans la vie, hein ? Ouais, bonjour les enfants, ça va ? Eh oui, il y a des moments où on a des problèmes, des moments où on passe par des moments vraiment difficiles. Alors, j'aimerais vous montrer un tour qui va expliquer un petit peu comment ça se passe. Regardez, on va allumer la bougie, là. Voilà. Elle est belle, ma bougie. Voilà. Et puis... Alors, on va essayer d'attendre qu'elle soit bien droite. Et puis, j'ai mis ici une protection. Une protection parce que je vais essayer de faire passer la bougie à travers mon bras. On va essayer ça. Je ne sais pas si ça marche, parce que je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, on y va. Attention. Ouh, mais c'est chaud. Oh, ouais. Oh là 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 là. Et voilà. Là, ça va, mais ça commence à chauffer. Et voilà.
Eh ben, dis donc. J'ai eu chaud, hein. Il y a des moments, on passe par des affaires, des événements qui sont pas faciles à vivre, hein. Il y a des difficultés, même quand on a un enfant. Eh bien, c'est un petit peu la protection que le Seigneur, il met autour de nous. Parce que le Seigneur, il est toujours prêt à nous protéger. Et des fois, il nous arrive des accidents. Eh bien, dans ces accidents, on est protégé. Un petit peu comme là, vous voyez. Aïe, 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 aïe. Voilà. Aïe, 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 aïe. Mais dans tout ce qui nous arrive, le Seigneur est toujours avec nous pour nous protéger. Il y a un texte que j'aime beaucoup et je vais vous l'apprendre parce qu'il est très beau. Quand je traverse la vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Quand je traverse la vallée de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Quand je traverse la vallée de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Et le Seigneur, il est toujours avec nous, jour et nuit, si on veut bien, de sa compagnie. Au revoir les enfants, merci beaucoup. Voilà. Alors, on va ranger tout ça. Ici, comme ça. Voilà, 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 voilà. Et puis, je vous ai apporté des tours qui sont géniaux. Alors, ça, c'en est un que j'aime beaucoup. Alors, voyons voir. On met ici, voilà, comme ceci. Non, c'est comme ça. Alors, on prend un anneau. Alors, je vous invite à essayer de faire le même tour, mais ne faites pas n'importe quoi. Ça, je sais que vous trouvez ça dans les toilettes. C'est ici, c'est la chaîne qui tient le bouchon du lavabo. Mais enfin, n'essayez de ne pas tout démonter dans la maison. Et puis ici, ça pourrait être un anneau sur lequel on fait glisser les rideaux. Mais demandez à papa et à maman si vous pouvez prendre ce genre de choses, ou alors vous devez demander à des amis et peut-être qu'ils vous aideront. Alors on prend la chaîne comme ceci, on prend l'anneau comme ça, et puis on fait... voilà, l'anneau est pris dans la chaîne. On va réessayer, parce qu'on ne réussit pas du premier coup. Oh non, 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 il faut beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et j'aime beaucoup ce tour, parce que ça, ça représente le Seigneur Jésus qui vient nous chercher. Alors, quand il vient nous chercher, il faut simplement s'abandonner à lui, comme ça, vous avez vu? Parce que, oh, je ne vais pas vous dire mon secret, peut-être vous l'avez deviné, vous allez voir, je ne bouge pas, vous voyez, il faut simplement s'abandonner entre ses mains. Et là, et voilà. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que le Seigneur, il vient nous chercher. Alors, on le refait juste pour le plaisir, parce que je l'aime beaucoup, ce tour. Et voilà, et hop. Oh, j'ai raté. Vous avez vu, Auguste, il a arrêté le tour. Alors, il va réessayer une dernière fois. Voilà, attention. Oh, mais ça rate de nouveau. Mais c'est pas possible. Et alors, on va essayer de le faire le mieux possible, ici. Voilà, comme ça. Oh là là, je suis obligé de le faire encore une fois. On va essayer. Oh là là, une dernière fois. J'espère que ça va marcher. Et voilà. Merci de m'applaudir. Au revoir les enfants. Bonjour. Mais oui, c'est moi, Auguste. Oh, excusez-moi de vous déranger avec mon klaxon, mais j'aime bien faire du bruit. Alors, vous allez bien? Moi, en tout cas, c'est la forme. Hein. Et vous savez pourquoi, hein. Il y a toujours la valise. Eh oui, quand ça ne va pas, dans la valise. Alors, je vais vous montrer un tour très particulier. Mais je crois qu'il faut que je retire mon chapeau, comme ça vous verrez mon joli visage. Voilà, le chapeau est mis de côté. Et puis, je vous ai apporté ici une corde un petit peu spéciale. J'espère... Qui c'est qui a touché à ça avant? Oh là là. Alors, vous voyez, ce n'est pas compliqué. On prend ici une cordelette et puis un foulard. Alors, je vais retirer le foulard, parce que je ne sais pas ce qu'il fait ici. Et puis, on met ici le foulard sur la table, la corde ici, comme ça, sur la main d'Auguste. On prend le foulard et on le glisse à l'intérieur, comme ceci. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez? Regardez un petit peu comme c'est.
Alors, on va fermer le nœud bien comme il faut. Et puis là, le foulard ne peut plus s'échapper. Alors, on va essayer de faire quelque chose de très particulier. Vous allez voir. Vous connaissez le mot magique? Le fameux mot magique que je vous avais déjà appris, mais peut-être vous l'avez oublié. Le mot magique, c'est comme quand ça chatouille dans le nez. On a envie d'éternuer et on fait voilà, comme ça. Et quand vous dites affût, il y a des choses spéciales qui se passent. Enfin, on va voir. Alors, on y va, les enfants? Vous êtes prêts? Alors, à trois, on dit affût. Un, deux, trois, affût. Et voilà. Et voilà. Alors, le nœud qui ne pouvait pas bouger, ben, maintenant, il peut bouger, il n'y a plus de problème. Je ne sais pas comment vous avez fait ça, mais vous êtes absolument extraordinaire. Et oui, regardez. Et le nœud, il se défait tout seul. Alors là, vous avez le droit d'applaudir Auguste si vous voulez. Merci beaucoup. Alors, voyons voir. Oh, mais je vous ai apporté un petit problème de géométrie. Vous voyez ce que ça est? Pardon? Ah, vous pensez que c'est un rond? Oui, c'est un cercle, c'est vrai. Alors, c'est un beau cercle. Oui, il n'est pas tout... Mais enfin, c'est du métal, alors ça vaut ce que ça vaut. Et maintenant, on va essayer de transformer ça... Comment, carré? Eh, mais ça ne va pas la tête. Eh, c'est... Moi, je suis juste clown, hein, je ne sais pas faire des... En carré, vous voulez essayer? Mais comment on va faire ça, eh? Oh là là, alors vous allez essayer, vous connaissez le mot magique, alors on y va à trois. Un, deux, trois, affût. Comment vous avez fait ça? Et mon rond, alors, il est où maintenant? Comment je vais faire, moi? Oh, mais c'est formidable, hein? Il y a des trucs comme ça. Moi, ça m'étonne, hein? C'est surprenant. Allez, c'est génial. Hop, on range et puis je vais chercher alors quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ce sont des crayons de couleur. Vous connaissez les couleurs, hein? Alors ici, il y a du bleu. Enfin, je ne vais pas dire les couleurs parce que je me trompe tout le temps. Mais enfin, ce n'est pas grave. Il y a aussi du rouge et du jaune, mais je ne vous le montre pas. Et puis, je vous ai apporté mon petit livre un petit peu particulier. C'est un livre. Alors, il faut qu'un peu que vous rêviez un tout petit peu. On est dans la grande forêt. On est là où il y a des animaux sauvages. Et puis, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Regardez ce qu'on voit. Mais ils sont partis où? Mais... Il y avait des animaux tout à l'heure ici dedans. Mais où est-ce qu'ils sont? Mais on recommence. En effet, ils sont plus là. Bon, alors il faut venir m'aider, les enfants. Là, ça va pas, ça. Hein? Alors on y va à trois. Vous allez souffler et vous dites le mot magique. Pardon, excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Le nez, le. Ah, le nom, le nez, le nom. Le nom, le mot magique. C'est Ah. Oh, regardez, on les voit. Mais qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est? Ouh, des oiseaux, un caméléon, un singe ici, un éléphant. Ouh là là, un ourson. Et c'est en quelle couleur? Tu as dit que c'était en couleur? En noir et blanc. Alors, vous allez mettre les couleurs, d'accord? Vous allez choisir ici les couleurs qui sont là. Je vais les mettre dans le... on compte à trois. Vous choisissez une couleur, le jaune, le bleu, le vert, on y va? Un, deux, trois, allez! Ça a disparu, les couleurs, elles sont maintenant à l'intérieur. Enfin, j'espère. On va regarder. Oh oui, regardez! Regardez ce qui se passe! Mais c'est génial! Regardez-moi ça! C'est un livre magique! Comment vous avez fait ça? On appelle les couleurs et les couleurs arrivent. Et ça arrangerait certains à l'école, hein, qui ne sont pas très rapides quand ils doivent colorier des belles images. Regardez-moi ce que c'est beau! Alors, on applaudit très fort Auguste et je vous salue bien. Au revoir, les enfants, et à tout bientôt. Au revoir. Hé, pas autant de bruit. Tu sais jouer aux cartes, Auguste? Oui, mais pas avec un klaxon. Arrange ça. Tu es vraiment un artiste, toi. Ah oui, je vous ai présenté déjà mon ami Samuel. On peut l'applaudir et aussi Auguste. Merci. Je me permets de retirer mon beau chapeau. Comme ça, vous verrez mes longs cheveux. Je vous ai apporté, puisqu'il voulait un jeu de cartes, tu vois un jeu de cartes. Eh bien, j'ai un jeu de cartes. Alors, on va sortir le jeu de cartes comme ceci. Et puis, je vais te demander, Samuel, de choisir une carte. Voilà. Alors, peut-être que tu pourrais montrer cette carte au public sans me la montrer à moi. Voilà. On va maintenant... Je me permets de prendre la boîte comme ceci. Et puis, on va mettre ici... le jeu à l'intérieur, et toi, tu glisses la carte à l'intérieur.
regarde pas. Non, je ne peux pas regarder, tu l'as retourné dans le bon sens. Alors, je mets comme ceci. Et puis, maintenant, tu vas me donner ce beau cadre ici. Voilà, comme ça. Et puis, alors maintenant, c'est là qu'on va essayer de faire de la magie. Parce qu'il a dit qu'il aimait bien faire la magie, on va voir. Alors, vous vous souvenez le mot magique, hein? C'est quand ça chatouille dans le nez. Affût. Voilà, un truc comme ça. Affût. Pas tchoum, affût. Alors, un, deux, trois, affût. Et toi, tu souffles en même temps sur le paquet. Et puis, on va essayer de faire venir la carte ici. Alors, on y va à trois. Un, deux, trois. Il n'a pas dit le mot magique. Oh, l'autre est affût. OK. Ah, ouais, un, okay. deux, trois. Affût. C'est... Mais ça ne s'est pas passé. Ça ne marche pas, cette histoire. Hé, hey, réveillez-vous, carte. Non, ça ne passe pas. Bon, il faut recommencer, alors. C'est pas grave. Alors, on y va à trois. Un, deux, trois. Affût. Bon, ben, je crois qu'il faut alors qu'on fasse vraiment de la magie. Tu veux me donner le grand truc noir, là, ici, comme ça. Et puis, on va... Tu vas le tenir comme ça. Et puis... Alors, attends. Je vais, moi, une fois souffler. On va voir si ça marche. Hein. Je souffle. Et puis, toi, tu tapes comme ça dessus pour essayer de faire descendre la carte à l'intérieur. Pas trop. Ah, il va me casser le matériel. Et... Alors, c'est moi qui souffle avec vous. À trois. Un, deux... 3, 1, attends. Moi, je crois qu'il faut qu'on double l'histoire. On va faire du feu magique. Et là, normalement, ça devrait marcher. Alors, je mets le feu ici dans la main. Ouïe. On y va? Tu es prêt? Ben, tu te viens ici tout prêt, là, comme ça. Ouais. T'es prêt, pas, hein? Je ne veux pas griller, moi. Mais non, mais t'inquiète pas. Fouf, regarde ça. Allez, tu permets que je regarde ceci pour voir si ça a fonctionné? Oh là là, c'était quoi la carte que vous avez choisie? Ça devait être un 5 de cœur. Le 5 de cœur. Alors regardez, enfants. Oh, regardez, c'est pas fantastique, ça? C'est génial. Nous sommes tous les deux vraiment des gros artistes. On nous applaudit tous. Allez, tu vas aller ranger ça. Et puis, je vais sortir l'autre jeu qui est un petit peu plus compliqué. Alors, tu tiens ici. Ça, c'est un jeu. Vous voyez, il y a différentes cartes. Et puis, ils sont collés sur une ardoise. Les ardoises, c'est là, on peut écrire, vous voyez? On peut écrire des choses avec une craie. Non, tu me donnes la craie. Papa, donne-moi la craie. Samuel, donne-moi la craie, s'il te plaît. Voilà. Toi, tu vas avoir autre chose à faire. Regarde. Tu prends, tu regardes bien les cartes et tu vas choisir une carte. Laquelle tu veux? Celle-là. Celle-là, tu es sûr? Eh ben oui. C'est celle-là que tu veux. Puisque dit. Je la mets ici, comme ceci. Et puis... Eh, on triche pas, hein? Mais non, je triche pas. Et en fait, je vais essayer de deviner la carte. Alors vous savez, parce que moi, je vois rien du tout. Parce que derrière, il n'y a rien du tout. Hein. Alors, on va voir. Ça doit être, à mon avis, ça doit être comme ça. Il y a un cœur. Ouais. Et puis alors, mais ça, tu veux te mettre, tu veux pas cacher, parce que sinon, les enfants, ils ne voient pas si tu te mets tout devant. Et puis, en fait, je vais essayer de faire un comme ça et un comme ça. Ça fait un 8. C'est juste? Ouais. Hey, mais j'ai réussi! Alors là, tu as le droit et vous avez le droit d'applaudir Auguste! Merci beaucoup! Il est pas mal mon 8 quand même, t'as vu? Et puis mon cœur. Moi, j'aime bien dessiner les cœurs, tu vois. Ça marche, hein? Tiens, je te rends ceci. On va ranger tout ça. Et puis, bon, ça ne va pas trop de commentaires. Qu'est-ce qu'il fait encore, lui? Il refait encore un cœur. Et ça suffit. Samuel, arrête de faire des cœurs. Et on dit au revoir à tout le monde. Tu dis au revoir. Tu feras des dessins une autre fois. Au revoir, au revoir. Les enfants. Au revoir. Aïe. Comment ça marche, ça? C'est pas vrai, ça. Alors, vous avez vu ma ficelle? Mais oui, c'est moi, Auguste. Ouais, vous savez très bien comment je m'appelle. Et si vous oubliez, vous n'avez qu'à regarder ma valise. Hein. Vous souvenez de la valise? Quand on a des problèmes, on les met dans la valise. Après, j'ouvre la valise et je donne tout ça là-haut au Seigneur. Mais là, j'ai un truc, je ne sais pas comment ça fonctionne. On m'a dit, si tu tiens très très bien ta corde comme ça, elle va rester toute raide dans tes mains. Mais ça ne marche pas. Je ne comprends pas ça, moi. Attends, je vais essayer. Mais... Ah là 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 là.
Alors, vous allez souffler parce qu'il y a un problème avec la corde ici. Hein. Vous allez souffler très, très fort, d'accord? Vous soufflez très, très fort. Mais ça ne marche pas, votre magie, à vous. Il faut dire le mot magique. Vous vous souvenez, à trois. C'est affût. Voilà, comme ça, c'est ça. Allez, on y va à trois. Un, deux, trois. Affût. Oh, mais comment vous avez fait ça? Elle est où, ma corde? Il a disparu, ma corde. Mais vous êtes vraiment des magiciens, vous, hein, vous faites des trucs spéciaux, là. Moi, je vous aime bien. Vous êtes vraiment géniaux. Ah, ben, on va voir si vous allez pouvoir m'aider ici, parce que, vous voyez, j'ai deux cordes. J'ai une corde jaune et une corde jaune. Vous allez me dire que ce n'est pas compliqué, d'accord, mais quand même. Et là, il y a un nœud, et là, il n'y a pas de nœud. Alors, on y va à trois. On va essayer de faire passer le nœud ici, sur cette corde-là. On essaye. Allez, on y va. Et vous avez vu, ça marche. Et ça marche de l'autre côté. Pourquoi vous n'êtes pas content? Ah, vous trouvez que c'est facile? Ah, parce que vous croyez que quand je fais le tour comme ça, j'échange. Oh, mais vous aidez. Ah, alors, on va faire un peu plus compliqué. Je vais prendre ici une corde d'une autre couleur. Comme ça, on va voir ce qui se passe. Hein. Et vous allez voir que ça va passer. Allez, on y va. Alors, attention. Un, deux, trois. Nanani naner, nanani naner. Ah, ça passe pas. Attends, on va voir comme il faut, comme il faut. Nanani naner, nanani. Oh, mais j'y arrive plus. Attends. Vous voulez m'aider un peu, les enfants? Vous soufflez très fort pendant que je fais le tour et que je fais le nanani naner. Oui, exactement. Allez, soufflez, les enfants. On y va. Oh oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh. Ah, voilà, comme ça. Voilà. Et puis maintenant, vous soufflez très fort. Vous soufflez à trois, d'accord? Un, deux, trois, et hop. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, 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 mais dis donc, mais c'est génial! Wouh! Comment ça se passe, ça? Il y a des trucs comme ça, c'est vraiment particulier. Allez, je vous salue bien. Oui, alors, on va faire encore un dernier tour. Et je vais voir si vous avez compris ce tour-là. Aïe, 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 aïe. Alors, j'ai ici des anneaux magiques, eh oui. Vous savez, ce sont ces fameux anneaux, quand on les touche comme ça, hop là, oh, regardez voir ça. Et puis ici, on fait juste ça, hop là, regardez voir ça. Et puis on s'approche là, ici de l'autre, et puis on souffle un petit peu, hop là. Et encore ici, oh, hop là. Et, mais c'est génial, regardez ça. Et voilà. Ah, 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 soufflez. Voilà, merci. Aïe, 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 aïe. Et puis ici, oui, attendez, on souffle un petit peu là. Voilà. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un embrouillamini là, que c'est pas vrai ça. Oh, 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 voilà, et voilà. Oh, les deux, ils sont restés ici, on va les défaire aussi, ces deux-là. Oh là 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 là, et voilà, et voilà, et voilà, ici. Merci de souffler, voilà. Et voilà, c'est super. C'est génial, on y est arrivé. C'est un peu compliqué, hein. Mais heureusement qu'il suffit simplement de souffler un tout petit peu. Vous voyez, vous prenez l'anneau comme ceci, et puis vous le frottez comme ça, ici, tout doucement, comme ça. Et voilà. Et on souffle de nouveau. Et voilà. Ça, je ne peux pas vous expliquer. Au revoir, les amis. À tout bientôt. Arrêtez! Ah! Ouh, elle me chatouille! Ah! Ouh! Arrêtez! Ah! Vous me chatouillez! Vous savez ce qu'il y a dans la boîte? Arrêtez! Ça chatouille! Ah! Ouh, là, là, là. Vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur? Ouh, là, là, là. Oh, regardez, ce sont mes trois petites coquines! Les coquines et les copines, ce sont mes trois petites souris blanches! Ah! Ça chatouille! Oh là 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 là! Oh, je crois que je vais les ranger parce que sinon je vais rien pouvoir vous raconter. Oh là 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 là! Oh, oh là 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 là! Quelle blague, dis donc! Oh, moi j'aime bien les boîtes. Alors je vous ai apporté des boîtes ici. Je vous ai apporté une boîte
Alors, je ne vous dis pas les couleurs parce que je me trompe tout le temps. Mais vous, vous avez le droit de dire la couleur. Alors, je retire le couvercle de ma boîte et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? C'est tout rouge, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va déposer ici la boîte et puis on va ouvrir la deuxième boîte qui était... Voilà, vous avez raison. Alors, je la pose ici. Ah, il y a... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mais qu'est-ce que c'est beau comme couleur, dis donc. Et ça, c'est quelle couleur? Tu crois? Ok. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, surprise? Oh! Quelque chose de bleu. Oui, tu as raison. Alors, on va regarder ce qui est là. Qu'est-ce que c'est que ça que c'est? Mais qu'est-ce qui... Oh! Mais c'est joli. Ça, c'est un peu plus clair, hein? Oh! Et qu'est-ce qu'il y a encore à l'intérieur? Alors, vous savez, dans la vie, des fois, il faut comme ça persévérer. Hein? Persévérer, ça veut dire continuer, continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Vous savez, moi, j'ai voulu apprendre la clarinette. Vous savez, ce truc qui souffle, puis on met des... Et c'est terrible à jouer, que j'ai eu qu'une... Toi, tu sais jouer? Et toi aussi? Oh, ben, c'est bien, moi, je ne sais pas bien jouer. Enfin, j'ai essayé, mais c'est une catastrophe, parce que c'est ce que m'ont dit les voisins. Alors... J'ai pas persévéré, mais si on persévère, des fois, on trouve oh, encore une surprise, encore une surprise. Mais c'est pas possible, ça. Mais encore une surprise. Ah oh, mais regardez-moi ça. Et il y en a encore une ici. Mais c'est pas vrai. Mais oh, regardez voir ça. Ça vaut la peine de persévérer. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur? Oh là 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 là. Et on regarde encore. Oh, oh. Mais c'est pas vrai. Il y a encore une à l'intérieur, mais c'est... Regardez-moi ça. Mais on va aller où avec ça? Oh là 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 là! Il y en a déjà combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Mais alors, mais quand est-ce qu'on va s'arrêter? Alors on continue, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, encore une? Mais c'est pas possible. Mais regardez-moi ça, mais qu'est-ce que ça que c'est que ça que c'est? Oh. Oh, mais il y en a encore une ici, mais on va pas s'arrêter. Mais. Oh, 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 oh. Alors, on en a combien? On compte ensemble. 1, 2, 13, 14. Oh, pardon, je me suis trompé. Non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ça, c'est le numéro 12. Oh, il y a un papier à l'intérieur. Oh, je vais regarder ce qu'il y a sur ce papier. Qu'est-ce qui peut bien être écrit? Oh, vous savez, il y a là un trésor. Regardez ce que c'est marqué. Je t'aime à la folie, signé Jésus. Oh, mais ça, c'est formidable, ça. Je t'aime à la folie. Oh, moi, je suis tout content, là. Mais c'est formidable. Et ça vaut la peine de persévérer. Vous avez vu ce qu'on a trouvé comme trésor? Alors, il y en avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et le trésor, il est là. Je t'aime à la folie, signé Jésus. Ça, c'est un billet qu'il faut garder dans son cœur. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire et puis vous le mettez dans votre portefeuille ou votre porte-monnaie. Comme ça, quand vous êtes découragé, vous regardez et c'est marqué « Je t'aime à la folie, Jésus ». Pas touché, Samuel ! Attends, j'arrive. Ah ! Je t'avais dit de ne pas toucher ! Oh, mais quel brigand! Tu as vu ça? Bon, ben, je crois que tu peux aller le ranger, hein. Vous voyez, des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Samuel, tu dois obéir. Tu sais, quand je te dis de ne pas toucher, il ne faut pas toucher. Alors, on va faire un tour. Oh là là, ça va être de la vraie magie, hein. Vous avez vu, j'ai apporté mon sabre. Aïe. Je vais le ranger parce que je n'aimerais pas me couper les doigts. Mais ça suffit, tu as fini de jouer. Viens voir ici. Il faut que je vous le présente quand même, c'est mon ami Samuel. Et voilà, on applaudit les deux artistes, merci beaucoup. Alors, on va faire un tour, mais il faut vraiment que tu te tiennes bien et que tu me regardes moi. Tu me regardes comme ça, tu peux te mettre comme ça, voilà. Alors, on va lui mettre un carcan autour du cou. Un carcan, c'est ce cadre en bois comme ça, qu'on mettait sur les prisonniers. Alors, on va le mettre là. Ça va, t'as pas trop peur?
Pas moi, pas moi. Si, si, allez, vas-y. T'as rien à craindre, tu sais. Allez, viens, viens. C'est sur quelqu'un d'autre. Mais je veux pas. Allez, viens vite ici, tu vas voir. Tu vas voir, il n'y a pas de problème. Tu n'as rien à craindre. Enfin, presque rien. Si, si. Tu me dis si ça fait mal, puis j'arrête, d'accord? Voilà. Alors, tu peux regarder les autres enfants. Et puis, je vais prendre ici mon épée. Et puis, je vais essayer de la faire passer ici à travers. Non, allez, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Ça va aller, ça va aller. Aïe. Ça, est-ce que ça fait mal, là? Dis pas de blague, écoute, c'est un vrai clown. Oh, écoute, regarde-moi ça. Oula! Regarde, ça va? Oui, tire voir la langue pour voir si elle est encore là. Oh, tu sais, il y a quelqu'un. Alors, attention, on retire ça doucement, Reviens ici. Oh là là, moi j'ai aussi peur que lui, dis donc. Hein. Enlève-moi ça. Tu veux montrer ton cou à tout le monde pour voir si. Il n'y a rien eu. On vous a fait une blague, mais c'est pas grave. Allez, au revoir, les enfants. Je ne veux pas vraiment au revoir parce qu'il faut que je vous explique qu'il y a des fois. Il y a des situations qu'on vit qui ne sont pas drôles. Hein. Il y a des fois où on vit ce qu'on appelle des épreuves, des moments difficiles. Pour toi, c'est quoi une épreuve? C'est plutôt les examens ou bien? Quand même, ouais, un petit peu. Un petit peu, ouais, mais je crois que tu n'as pas trop de peine à l'école, toi. Mais il y a des enfants qui ont de la peine à l'école. Et des fois, ils ont vraiment très peur. Mais quand on a très peur, Samuel, c'est une chose qu'on peut faire. C'est dire, Seigneur, tu me donnes un coup de main, s'il te plaît. Et le Seigneur, il nous aide. Alors là, bien sûr, c'est juste une image, hein, c'est juste pour rigoler. Mais il y a des fois, ça nous fait très peur. Et il y a des choses qui nous arrivent, ici, un peu comme une épée, comme ça. Puis on s'est dit, mais je vais me faire du mal. J'ai très, très peur. Alors on dit, au secours, Seigneur! Et puis le Seigneur, il vient nous aider. Ça, c'est génial. Alors j'aimerais que tu prennes le petit truc que je t'ai amené, là. Voilà, tu me le donnes? Alors ça, c'est une hélice. C'est comme un avion. Alors, regardez, moi je vais le faire tourner comme ça. Il tourne, regardez, il tourne. Et maintenant, je vais lui demander de tourner de l'autre côté. Alors, tu regardes si ça tourne bien de l'autre côté. Tourne de l'autre côté. Attends, je recommence. Aïe. Toi, tu sais le faire, ça, alors? Je vais essayer. Vas-y, essaye voir. Alors, fais le tourner d'abord du bon côté, comme ça, oui. Ah ben ça, je sais faire, on le précise tout à l'heure. Hein. Et toi, tu... Mais comment... C'est pas possible, ça! Refais-le voir tourner de l'autre côté. À mon avis, il y a un truc, là. C'est pas possible, il y a une ficelle. Attends, tu permets? Il y a un moteur ici, ou bien? Comment il fait ça? Regarde-moi ça. Et de l'autre côté, alors? Mais il est génial. T'es vraiment doué, toi, avec mon hélice. Moi, je vais vite essayer encore une fois. Oh, peut-être si toi, tu donnes l'ordre, ça va passer. Vas-y. Allez, tourne de l'autre côté. Attends, là, ça tourne du bon côté. Et de l'autre côté, alors, c'est toi qui dis l'ordre, alors. Mais regarde ça. Mais c'est fantastique. Et t'as réussi? Et avec toi, je réussis. Allez, on applaudit. Auguste et Samuel. Au revoir les enfants. Au revoir. Ah oh, bah dis donc, c'était génial. Hey, bonjour les amis. Eh oui, c'est moi, Auguste. Vous savez, je vous ai apporté mon bâton de singe. Je sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, mais je me suis dit que pour ces tours-là, je vais avoir besoin d'aide. Alors j'ai fait venir un ami. Tu veux venir, mon grand? Voilà. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Samuel. Samuel! Alors on salue bien Samuel Auguste et on applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes bien faire, toi, Samuel? Ben, j'aime bien faire... des tours de magie. Des tours de magie? Oh, alors on va s'amuser comme des petits fous, là. Et qu'est-ce que tu aimes bien encore? Aller à la piscine. Eh ben, à la piscine, il est comme moi, on est des vrais poissons. Et quoi d'autre, alors? J'aime bien aussi jouer avec mes copains. Il a des copains. Alors, on va s'amuser tous les deux avec nos amis. Et puis, regarde bien. Tu vois, il y a un anneau qui est ici. Et regarde, moi, je suis extraordinaire. Je sais faire de la magie. Alors, tu vas voir, à trois, je vais réussir à faire passer l'anneau qui est ici. Je le fais passer là. Un, deux, trois. Et hop, et hop, et hop, et hop.
Mais c'est facile, moi aussi j'arrive comment, à le faire. Comment c'est facile? Bah donne-le-moi, je vais tu essayer. Vas essayer de, comment tu sais faire ça, toi? Bah oui, c'est facile, il va essayer, on va voir comment il va faire. Alors. Comment un, deux, oui. trois. Et mais il est extraordinaire. Et, mais comment tu... Mais c'est génial, ça, dit. Mais alors comment tu... Tu as répété beaucoup de fois comme ça hein? Mais non. Même pas. Alors, ok. Un, deux, hein. trois. Mimi va me rendre fou, cet enfant, hein, dis donc. Et Samuel, regarde, regarde, moi, je vais le faire passer de l'autre côté. Un, deux, trois, itik, itik, itik. Hop là, il y a un petit problème. Hop, 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 et voilà, il est là. Non, c'est pas tout à fait ça. Hmm. Si, si, ah si, ça a marché. Tu veux essayer encore un coup? Oh là là, oui, oui. Un, deux, trois. Magnifique, non? Mais tu es formidable. Mais dis donc, mais tu as fait beaucoup de cirque, toi, ou bien c'est pas possible? Bah non. Alors, attends, qu'est-ce qui serait vraiment compliqué, là? Hmm? Le faire passer au milieu. Oh, eh, ça va pas au milieu? Mais au milieu, bah, je vais essayer. Je sais pas, on se concentre très fort. Un, deux, trois, ça y est, j'ai réussi. Eh ben non. Mais, attends, c'est pas il possible. Il était là, ça. Il est là. Et, attends, un, deux, trois. Mais comment ça... Aïe, yo, qu'est-ce que c'est? Mais qui c'est qui est derrière, là, qui m'embête, là? Oh ah ça a marché. T'as vu ça? Cette fois-ci, je t'ai eu. Alors, on applaudit très fort Auguste et Samuel. Merci, merci. Voilà, je voudrais bien savoir, Samuel, si toi, tu aimes les clowns. On va voir. Tu aimes les clowns, toi? Bah oui. J'ai apporté mon thermomètre à clown. Alors, tu mets les deux mains en bas, comme ça. Et puis, nous, il faut mettre bien comme ça, qu'on puisse bien voir le... Voilà, comme ça. Et puis, normalement, s'il aime les clowns, il y a quelque chose qui va se passer. On va regarder. Eh ben, dis donc, tu es... Mais qu'est-ce qui c'est que c'est? Mais regarde un peu, là. Mais le cœur est déjà rempli. Ouais, dis donc, il aime beaucoup les clowns, lui. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est en train de... Mais ça... Mais... Oh! Mais ça déborde! Ouh là là, mais alors toi, tu aimes très bien le clown, mais j'ai peur que tu fasses sauter le thermomètre. Ah, lâche tout, lâche tout. Ah! Ouh là là, avant que ça explose, dis donc. Oh là là. Et regarde ce que j'ai apporté. Ça, tu te mets ici, de l'autre côté, là. Tu te mets ici, mon grand, voilà, comme ça. Alors, je t'ai apporté un cube magique. Oui, le cube magique, c'est un peu spécial. C'est un dé, comme ça, avec des couleurs. Ça, c'est la couleur verte. Mais non, c'est la couleur rouge. Ah, c'est rouge. Oh, pardon, j'ai toujours un problème avec les couleurs. Ouais, mais je sais plus, moi, je croyais que j'avais un œuf vert. Alors, par exemple, je prends le rouge. Je prends le rouge, et qu'est-ce que je fais? Je le secoue, et puis moi, je vais réussir à trouver la couleur, d'accord? Okay. Vas-y, moi, je vais me cacher, et tu me dis quand t'es prêt. Hein. Et montre bien la couleur à tout le monde. Hein. C'est bon? Non, pas encore. Ah là 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 l'air, là là l'air, c'est bon? Oui, tu peux venir. Alors, oui, oui, oui. Alors regardez, moi je vais choisir, je vais trouver la couleur. Je crois que je vais réussir à trouver la couleur. La couleur, la couleur, la couleur, la couleur, la couleur. Oh regardez, juste en entendant le bruit, c'est du vert. C'est vert? Eh oui, j'ai réussi. Ah, fantastique, on est des artistes et on nous applaudit. Au revoir les amis. Oh là là, oh j'ai mal, oh j'ai mal, oh j'ai mal aux dents, oh les enfants, qu'est-ce que j'ai mal? Oh, vous pouvez essayer de souffler, faire quelque chose de magique. Oh là là là, oh elle était grosse celle-là, dis donc. Oh, heureusement, j'ai pas eu besoin vraiment d'aller chez le dentiste. Mais qu'est-ce que ça fait mal? Merci de m'avoir aidé. Vous êtes vraiment géniaux. Oh là là. Il y a des fois des aventures comme ça qui nous arrivent. Eh bien, tenez, regardez. J'ai à vous apporter mon vase. J'ai un vase un peu spécial ici. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là, mon vase, oui. Alors, j'ai apporté des verres parce que j'ai un petit peu soif, là. Alors, on va prendre un petit peu de limonade comme ceci. Voilà. Ah, mais vous en voulez aussi? Ok, pas de problème. Alors, hop. Il n'y en a pas pour tout le monde, hein? Oh là là, ça c'est vraiment la dernière goutte, là. Voilà. Alors, moi je vais boire un petit coup. Santé. Bon, alors, on va regarder. Parce que je crois qu'on a une petite surprise. Regardez, je mets tout ceci ici. Et ça me fait penser à Jésus. Jésus, un jour, il a dit qu'il pouvait nous donner la vie
en abondance. Il pouvait nous donner tout ce dont on avait besoin, mais en abondance. Alors, je vais prendre ici mon vase, et puis on va... Oh, mais il y a de nouveau du jus, mais c'est formidable, ça. Regardez-moi ça. Et encore un verre, et encore un verre. Oh, fantastique, ça. Waouh. Et puis, il a dit qu'on pouvait venir vers lui n'importe quand. Alors, on va le verser ici, et puis on en met ici, comme ça. Voilà. Et alors, chaque fois qu'on vient vers Jésus, eh bien, on peut de nouveau revenir et il nous redonne ce dont nous avons besoin. Mais regardez, mais c'est pas formidable, ça? Ouh, et encore un petit peu, là. Voilà, là, il n'y a plus rien du tout. Oui, il y avait encore une petite goutte. Voilà. Oui, il n'y a plus rien du tout. Voilà. Et puis, eh bien, alors, on va voir si ça fonctionne comme tout à l'heure. Regardez, on met ça ici. Je sais qu'il y en a qui pensent qu'il y a un conduit entre ceci et puis cela. Ben non, il n'y a rien du tout. C'est juste une blague. Et alors, on continue de remplir. Et qu'est-ce qui se passe? Encore. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y en aurait encore un petit peu pour d'autres enfants ici? Et, alors, on va le mettre ici. Regardez. Mais c'est l'abondance, mais c'est vraiment génial. Vous savez qu'on peut tout lui demander au Seigneur. Tout ce... Oh, il y a encore un petit peu là. Mais oui, ça revient. Oh, mais c'est extraordinaire ça. Moi j'aime ce tour. C'est... Et dis donc, oh là là, vous imaginez combien de verres on peut remplir? Mais comment ça se fait ça? Parce que le Seigneur, il donne. Et tout ce dont on a besoin, on peut lui demander. Oh, bien sûr, hein. Et il ne va pas répondre à toutes nos demandes. Mais quand il est d'accord, oh, il y a encore un petit peu là. Quand il est d'accord, alors il nous donne. Oh, regardez, encore un petit coup là. Mais dites voir, ce sera un truc à emporter si on allait se promener dans le désert. Hein. Quand il n'y a plus rien, il y en a encore. Et il y en a encore. Oh, moi, c'est pas vrai. Mais il y en a encore une petite goutte là. Regardez voir, il y en a encore là. Mais comment ça se fait? Mais c'est absolument fabuleux. Mais alors, moi, je peux lui demander si j'ai des problèmes avec mes calculs. Je peux dire, Seigneur, tu pourrais me donner un coup de main pour les calculs et puis me donner un petit coup de main, là, voilà. Et puis quand je suis en train d'apprendre une langue étrangère, oh, c'est compliqué, ça. Puis la grammaire, le vocabulaire, gna gna gna, oh, c'est compliqué. Et là, oh, il y a encore, oh, oui. Et bien, le Seigneur vient et puis il y a encore un petit peu d'aide, là, pour moi. Oh, oui. Et puis, alors, si j'ai des problèmes avec les voisins, avec les copains d'école, avec la maîtresse ou le maître, oh là là, ben je peux lui dire, Seigneur, t'as encore quelque chose pour m'aider? Puis lui, mais encore un petit peu, mais c'est génial, regardez. Mais dis donc, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Et oui, et parce que chez lui, il y a la vie en abondance. C'est comme une source qui ne s'arrête pas. Et sa source, c'est l'amour, il nous aime. Et c'est pour ça qu'il prend soin de nous. Moi, c'est pour ça que je l'aime très fort. Au revoir, les enfants. Oh là 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 là. Il y a des choses que je ne sais pas faire, moi. Oh là là. Oh, des fois, je suis triste parce que j'y arrive pas. Oh, excusez-moi de vous déranger, les enfants, mais là, j'ai gros sur le cœur. Oh, il y a des choses, j'arrive pas. Oh, votre Auguste, des fois, il est tout triste, hein. Oh là là, vous allez bien, vous? Oui, moi, ça va pas très fort. Heureusement que j'ai ici mes tableaux. Hein, vous savez, j'ai écrit ici sur mes tableaux. Enfin, sur mon tableau ici. C'est un tableau noir, oui. C'est des vieux tableaux. Je ne sais pas si vous utilisez ça encore. Mais c'est des tableaux, on écrit avec une craie. Oui, blanche, sur le noir. J'aime bien. Alors moi, j'ai mis ceci. Pour nous, c'est impossible. Il n'y a que des tas de choses qu'on ne sait pas faire. Toi, tu penses à ça? Oui, tu as raison, ça, c'est difficile. Et toi, oh oui, oh oui, je comprends. Ah, ça, si, ça, c'est pas trop compliqué, mais c'est vrai que pour certains, c'est difficile. Et ça, ah oh ouais, alors ça, je suis d'accord avec toi. Puis, là, pour cette histoire, moi, j'y arrivais vraiment pas. Hein. Il y a des trucs comme ça, j'y arrive pas. Mais je me souviens, quand j'étais petit, que j'étais à l'école, c'était difficile. Oh là là, les calculs, j'y comprenais rien. Alors, pour moi, pour nous, c'était impossible. Oh, pas pour tout le monde, hein, parce qu'il y a des enfants, ils adorent les calculs. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Alors, on va comme ceci. On va mettre les deux tableaux l'un sur l'autre, et puis vous allez souffler très fort. À trois, on retourne les tableaux comme ceci, et vous soufflez. Un, deux, trois. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, ça a disparu. Et là, il y a la solution à notre problème. Regardez bien.
à Dieu, tout est possible. À nous, il y a un tas de choses qu'on ne peut pas faire. Mais lui, il fait un tas de choses extraordinaires. Et ce que nous ne pouvons pas faire, lui, il est capable de le faire. Alors, quand tu penses à tout ce qui n'est pas possible dans ta petite tête à toi, tu regardes un peu plus haut que ton nombril et puis tu dis, « Dieu, avec toi, tout est possible, alors je te demande un coup de main. » Et vous allez voir, vous allez être surpris. Mais oui, merci d'applaudir votre guiche. Ouais. Oh, j'aime bien ce tour-là. Aïe, 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 aïe. Mais il y a des choses comme ça qu'on ne comprend pas très bien. Et je vous ai apporté ici une plaque dorée et une plaque noire. Quelle est la plus grande? Ah ah, vous pensez que c'est la noire? C'est la noire? Ok. Alors, une petite passe magique, on le passe de l'autre côté. Et maintenant, c'est lequel le plus grand? Le noir ou le doré? Comment ça se fait? Alors maintenant, on rechange et on met le doré de l'autre côté. Et qui c'est qui vient de plus grand? C'est le noir. Eh oui! Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose, les enfants. Nous avons un problème avec nos yeux. Eh oui! Des fois, on croit voir certaines choses et puis on ne voit pas bien. Ou on a cru voir quelque chose et ce n'est pas correct. Eh bien, ici, c'est un petit peu ce qui se passe. Ici, eh bien, on voit le noir très grand, mais quand on le passe de l'autre côté, c'est le doré qui devient très grand. Et je vais vous montrer la grande surprise, c'est quand on prend le doré et le noir et qu'on les met l'un sur l'autre, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils ont exactement la même taille. C'est curieux quand même, hein? Mais regardez, ils ont la même taille, on peut les mettre l'un sur l'autre sans problème, mais quand on les met l'un à côté de l'autre, le doré est énorme à côté du noir. Mais non, regarde, c'est le noir qui est énorme à côté du doré. Moi, j'aime bien cette illusion-là. Alors, quand tu regardes les choses, peut-être que tu ne vois pas très bien, peut-être que tu as mal compris, et ça vaut la peine de demander à ceux qui sont autour de toi si c'est juste ce que tu as vu ou si par hasard tu t'es trompé. Parce que parfois, on est victime d'une illusion. Et voilà. Les enfants, je vous salue bien. C'était votre vie. Hé ! Bonjour les enfants. Quel plaisir de vous retrouver. Mais oui, vous me reconnaissez, c'est moi, c'est Auguste. Comment vous allez? Vous allez bien? Moi en tout cas, je suis en pleine forme. Et je vous ai apporté un tube très spécial. Regardez, là il y a des couleurs. Il y a du bleu. Non, ça c'est du vert, c'est vrai, pardon. Et puis ça c'est... Oui, exactement, du rouge, tu as raison. Et ça, oui, du jaune. Oh, vous êtes fort pour les couleurs. Et puis là, j'ai un tube, vous voyez à travers, vous me voyez, moi je vous vois. Alors, on va mettre un petit peu de jaune comme ceci, mais c'est un petit peu compliqué. Alors, il faut souffler à l'intérieur pour essayer de faire passer le foulard de l'autre côté. Oh là là. Voilà, comme ça, voilà. Oh, on voit bien, hein, c'est joli. Oh. Ces couleurs. Alors, on va mettre le bleu. Non, oui, pardon, le rouge. Oui, je sais que j'ai des problèmes avec les couleurs. Heureusement que vous êtes patient et patiente. Hein. Voilà. Alors, j'ai mis le rouge ici, à l'intérieur. Voilà, on le met comme il faut. Et puis, on prépare le jaune de l'autre côté. Et puis, on met le... Oui, le vert, merci. Oh, vous êtes charmant. Alors, on va mettre ici le vert, comme ça. Et puis, on va essayer de le mettre à l'intérieur, parce que c'est important qu'il soit bien à l'intérieur. Et voilà. Alors, nous avons le rouge, le jaune et le vert. On y va à trois? On ose souffler? Bouh, j'ai un petit peu la trouille, moi, on y va. Mais peut-être, il faudrait peut-être dire le mot magique, c'est le mot... Fût. Voilà, c'est ça. Vous savez quand ça chatouille dans le nez. On y va à trois. Un, deux, trois, fût. Oh là là, oh là là, regardez ça, c'est extraordinaire. Comment vous avez fait ça? Ils sont tous attachés l'un à l'autre, c'est extraordinaire. Oh là là, il y a le vert, le jaune et le rouge. Oh, moi, je trouve ça vraiment fantastique. Il suffit des fois de regarder certaines choses et on est parfois tout étonné, hein? Vous ne croyez pas? Alors, je vous ai apporté... Qu'est-ce que ça peut bien être? Une espèce de boule rouge comme ça? Ça pourrait être pour quoi faire, ça?
Vous avez déjà joué avec une balle rouge comme ça? Mais ça, c'est une balle très spéciale. C'est une balle magique, et vous, vous allez souffler dans la balle magique. Ah, si vous pouviez avoir une balle comme ça, ça serait marrant, hein? Tu voudrais une balle comme ça, toi aussi, hein? Ah, tu pourrais la mettre sur le nez comme ça? Tu ferais clown, hein? Regarde voir cette balle. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Alors, on regarde, on la tourne dans tous les sens, et puis parfois, il y a des surprises. Tu voulais une surprise? Regardez la surprise. On met ici le doigt dans la balle, et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Oh, 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 oh. Alors, attention, attention les enfants, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça a grandi? Mais c'est énorme? Mais c'est quoi ça? Oh, regarde voir ça. Une petite surprise, c'est quelqu'un qui te dit « Coucou, moi je t'aime très fort, coucou, eh oui !» C'est génial, moi j'aime beaucoup ça. Voilà, c'est bien. Merci. Ah là 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 là. Oh oui. Alors, voyons voir. Je vous ai apporté ma petite cordelette. Alors, on fait hop, hop, hop. Et regardez un petit peu ce qui se passe. On met un anneau ici, tac. On met un autre anneau ici. Et toc, et puis vous soufflez à 3, 1, 2, 3, à fût, et hop, qu'est-ce qui se passe? Oh, regardez voir ça, c'est génial, les deux anneaux se sont pris dans la corde. Moi, je trouve ça fabuleux. Alors, on applaudit Auguste, merci beaucoup.